Bonjour, bonsoir, ici Jacques Sellard pour la chaîne Ludique Underground et en peignoir. Vous m'excuserez, il fait terriblement chaud, donc le peignoir ne sera qu'en décor, en dossier pour ce soir. Ça faisait un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo sur Terraforming Mars, version jeu de plateau, et partie simple, je vais faire une partie en solo. Je pars sur du solo avec toutes les extensions, sauf Turmoil. On verra par la suite si ça intéresse. Hein. S'il y a des personnes qui me sollicitent, pourquoi pas la tenter en solo avec Turmoil. C'est quand même plus chaud avec Turmoil. Ça dépend un peu le tirage. Il y a une certaine notion de RNG avec Turmoil qui arrive, qui incorpore le jeu. Mais globalement, c'est quand même plus compliqué. Donc là, je pars sur un full extension des familles sauf Turmoil. Donc là, je l'enregistre depuis Twitch. Hein. Je suis beaucoup plus sur Twitch, d'où ma faible présence sur YouTube actuellement, et je me suis dit celle-là on va la monter, on va faire un truc plus propre spécialement pour YouTube, pour les copains de YouTube. Donc là je vous épargne toutes les petites élucubrations que j'aurais eu, que je vais avoir sur Twitch au moment où je vais enregistrer cette vidéo. Je suis déjà en train d'enregistrer, c'est du direct hein. Enfin, là vous le voyez en rediff, mais c'est du direct. Et donc sans plus attendre, je déballe le jeu, on se dit à tout de suite. Ce qui est rigolo, c'est que les planètes, ce qu'on a, présentement ici, et présentement, ça y est, je suis parti sur du jeu de plateau, alors je parle comme les Québécois. Alors, nous avons présentement Callisto. Callisto qui est énergie, hein, c'est clairement full énergie, on peut pas faire difficilement. On peut pas faire moins équivoque que ça. On peut pas faire plus équivoque, pardon, je dis le contraire de ce que je pense. Nous avons Triton qui est axé titane, donc titane énergie. Et nous avons Miranda qui est clairement. Pas tellement une colonie qui sera intéressante pour moi dans cette configuration à un joueur. On a bien sûr toujours Vénus, hein, qui, je le rappelle, en solo, nécessite d'être monté à fond, 100%, pas le choix. À côté de ça, on retrouve nos critères classiques, la chaleur, l'oxygène, et bien sûr les 9 océans à placer. Alors j'en profite hein, pour faire un petit rappel de tout ce qui se passe. Et là, on va s'intéresser un petit peu à tout ça. Déjà, c'est vraiment le truc de base, c'est quand même les corporations. Regardez ce qu'on a. Alors nous avons Célestique, vous commencez avec 42 mégacrédits. Et puis, comme première action de la partie, bon, première action, en étant solo, ça va pas. Cette stipulation n'a pas de grande importance. On va retourner la pioche jusqu'à trouver deux cartes avec un badge flotteur dedans. Et comme action, on peut jeter un flotteur sur n'importe quelle carte, y compris celle-ci, parce qu'on peut éventuellement gagner des points à la fin de la partie grâce à ça. Bon, clairement, de toute façon, en solo, c'est déjà un minimum ardu quand même comme challenge, donc on partirait pas sur les points sur cette carte-là. Ça pourrait servir si je tombe sur une. Si j'arrive à comboter avec une carte projet. Qui me permettrait d'échanger des ressources flotteurs en paramètres à monter, hein, certainement sur Vénus, bien sûr. Les flotteurs, ça sera rarement pour d'autres trucs. Je connais pas par cœur les cartes Vénus, mais je suppose. Nous avons Aridor. Aridor, je crois que je ne l'ai jamais joué. On commence. On peut prendre. En première action, on peut mettre en jeu une tuile colonie supplémentaire de notre choix. Ça, par contre, ça peut être intéressant. Alors, j'ai mis la carte complètement de Traviol. Ça peut être intéressant. Dans le sens où là, on joue avec deux. Bref, je vais considérer qu'on joue qu'avec deux colonies. Je vais pas compter Miranda comme une colonie vraiment intéressante pour une partie solo. Sauf vraiment si je suis sûr de mon coup et que ça me paraît bien, je vais essayer de soigner les points, mais bon, on va vraiment soigner déjà la win, ça serait bien, si je la win. Et l'effet de la corpo, c'est qu'à chaque fois que je vais mettre en jeu un nouveau badge, je vais augmenter ma production de 1 mégacrédit, ça peut être pas mal. Surtout qu'avec Prélude, ça peut me faire un démarrage, il y a souvent des badges sur les cartes Prélude, il y a souvent plus d'un badge différent d'ailleurs, ça va être intéressant de commencer avec du mégacrédit en plus. Donc ça peut être pas mal. Franchement, si j'ai pas quelque chose qui combote plus avec Célestique ou celle que je vais révéler maintenant, Aridor, ça me semble un peu le choix optimal. Et on a Torgate, tiens. Torgate, la corpo de base. Donc Torgate, on la connaît par cœur, celle-là. Clairement, on commence avec 48, on commence avec une prod d'énergie de 1. Les cartes
les badges, les cartes qui possèdent un badge énergie coûtent 3 mégacrédits de moins. Et d'ailleurs, le projet standard central coûte aussi 3 mégacrédits de moins. Donc c'est pas mal. C'est Tangate, elle est quand même assez buff. Hein. C'est une corpo que je trouve assez forte. Déjà parmi le panel de base. Maintenant, on a un Callisto. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer Tangate sur cette partie? On verra plus tard. Ça va dépendre des cartes qu'on a piochées. Qu'on a pigées, pardon. On pige des cartes, nous, ici, en tant que joueur de plateau. Donc ça, c'est sur la sellette pour l'instant. Je vais les mettre là. On verra ensuite. Il faut toujours avoir un aperçu global avant de se décider. On va pas foncer comme un teubé. Un teubé martien. Donc, parmi les 4 cartes préludes que nous avons, je rappelle, nous devons en sélectionner 2 sur 4. D'ailleurs, la corpo, 1 sur 3. Hein. Et je rappelle aussi pour la corpo, je m'en suis mis 3 au choix. C'est une petite raison qu'on se dit. Avec tant de cartes corpo maintenant, quand on met bout à bout toutes les extensions, ça commence à faire une bonne petite patate de cartes corpo, donc c'est dommage, on piochait que 2, il suffit de tomber sur 2 boîtes de base, on a un petit peu vert à chaque fois, on a souvent besoin d'exotisme, ça tombe mal. Là, fouille de mol, c'est de la prod d'acier et de chaleur, un acier de chaleur, plus 2 petites unités de chaleur pour démarrer, pourquoi pas, bon, c'est pour booster un petit peu tout ça. On a l'empire financier, très versatile dans le sens où quand il y a de l'argent, de la prod d'argent en jeu, c'est toujours très versatile. Donc 6 méga crédits pour niveau prod, et par contre on commence avec 6 méga crédits de moins. C'est-à-dire qu'il nous faut un tour pour éponger l'inconvénient, enfin le handicap. Nous avons ici des experts en écologie. Donc là, une prod de plante de 1. Et on peut jouer une carte de notre main en ignorant les prérequis globaux. Alors pourquoi pas? D'ailleurs, j'ai 2 badges différents ici. Vous voyez où je veux en venir? Ça peut servir pour Aridor. Et un fournisseur. De l'énergie. 4 d'acier vraiment sec. On va prendre dès le démarrage. Bon, j'ai pas le sentiment d'une main très très folle hein, pour l'instant. Il n'y a rien de... Pareil, ça va dépendre, alors je vais poser ça là, et ça va dépendre des cartes projet, parce que de toute façon, le choix dépend toujours des cartes projet, hein, faut pas croire. Il n'y a pas de corpo, il y a des corpos plus fortes que d'autres, mais il n'y a pas de corpo ultime sans un minimum d'accompagnement assaisonné. Au niveau des cartes projet, nous avons des mousses nitrophiles. Nitrophile, nitropépès, en 2 plantes en moins, alors il faut 3 océans, mais ça peut, à la limite, ça peut arriver relativement vite si on s'y emploie. Bon, c'est clairement pour mettre de la forêt, alors ça peut être pas mal. Surtout que, expert en écologie, rappelons-le, hein, on peut jouer une carte de notre main en ignorant les prérequis globaux. Et ça se fait tout de suite, hein, parce que c'est pendant la phase prélude. Bon, de toute façon, toujours pareil, on est en solo, donc ça se passe tout de suite ou pendant le tour, hein, c'est la même chose. Nous avons des algues, décidément, beaucoup de cartes vertes. C'est presque mieux, hein, j'ai envie de dire que c'est même... alors c'est la même prod, mais là on a une plante, alors que là on en perd 2. Celle-là je pourrais même pas la jouer de toute façon tout de suite. Et les algues c'est... Non, c'est... C'est marrant, elle est meilleure quand même, parce qu'on paye pas de plante pour ça. Le prérequis est quand même plus fort, 5 océans. Pour 10, la zone urbanisée. Alors la zone urbanisée, bon bah c'est pour de la prod d'argent, ça coûte pas trop cher, mais il faut placer une tuile cité adjacente à au moins 2 autres tuiles citées. il va falloir. Je pense que celle-là elle va pas passer le cut, celle-là. On a la mangrove, décidément, je suis parti sur des cartes vertes. Et la température doit être de plus 4% plus, donc on peut passer une tuile forêt sur une zone réservée pour un océan, la fameuse zone bleue. Wipe, à voir, c'est une forêt pour 12, c'est quand même pas mal, plus 4 degrés c'est pour la jouer, généralement ça se joue très tardivement dans une partie. Voilà, ça peut être un petit avantage de payer une forêt très vite, pour pas cher. Les éoliennes, un petit peu d'énergie pour
Alors celle-là, éventuellement, si on part sur la corpo Torgate et qu'on combine avec les experts en écologie, ben, je peux avoir un d'énergie pour 3. Mais bon, enfin, je paierais quand même 3 pour conserver la carte en main. Bon, c'est pas. Ça serait dommage d'utiliser cette capacité d'ignorer les prérequis pour une carte juste pour les éoliennes. Il faudrait mieux jouer ça sur une grosse carte plus intéressante. Et décidément, je me demande si. Non, j'ai regardé les autres cartes avant de vous les exposer, parce que je trouvais ça étrange d'avoir beaucoup de cartes vertes. Je me demande si c'est un mélange un peu hasardeux. Mais non, après, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus qu'une et encore. Zone écologique, c'est la fameuse tuile papate. Et. Ça permet de gagner des badges animaux à chaque fois qu'on joue un badge papate, ou quand je dis papate, c'est un badge animal, ou un badge vert, là, enfin badge feuille. C'est pour du point de victoire, clairement. Je pense qu'elle passera pas le cut. D'ailleurs, le zoo martien. Alors, il faut, comme prérequis, il faut deux cités placées. Alors, par chance, enfin, de toute façon, solo, ça sera toujours le cas. Et là, par contre, lorsqu'on joue cette carte. Lorsqu'on joue une carte terre, on va gagner un animal. Sur le zoo, c'est ça. Et après, quand on utilisera l'action de la carte, on gagnera une pièce par animal. Alors ça peut être, par contre, ça peut être un très bon moyen de valoriser la présence de Miranda comme colonie. Parce que jusqu'à maintenant, c'était clairement pas intéressant. Mais là, ça peut valoir le coup. Le prérequis on l'a, ça vaut 12. Par contre, maintenant, il faudra du badge terre. Il y en a un ici avec l'Empire financier. Alors, ça pourrait être. Il y a peut-être un truc à faire avec Aridor, avec ces deux-là. Quoique celle-là est très intéressante quand même. Alors, à mon avis, ça sera Aridor, ces deux-là, ou alors celle-ci et celle-là. Si je pars sur le zoo martien, après, c'est pas dit que je parte sur le zoo martien, on verra bien. On a le freinage aérodynamique. Qui est toujours intéressant. Ça donne un passif à chaque fois qu'on va jouer un badge espace, un événement spatial, pardon, pas forcément un badge espace, un événement spatial. On gagnera 3 méga crédits et 3 chaleurs, c'est toujours intéressant. Encore faut-il jouer ces fameux badges. On a les navettes du comité des fêtes. C'est plutôt les navettes de Tati Brigitte pour donc 5 d'oxygène minimum. Ça sera moins 2 de coûts pour les cartes espace. Par contre, on perd un peu de prod d'énergie, mais on gagne une prod d'argent à 2. Voilà, petite carte qui est pas vilaine. Et on a la porte vénusienne. La porte vénusienne, attention. Qui fait moins 2 pour le coût des cartes Vénus. Alors, le truc, alors des cartes comme ça en début de partie, c'est toujours bien. Mais j'ai zéro carte Vénus en main. Par contre, ça peut être intéressant à être joué si je joue à Aridor pour les deux badges. Parce que j'ai pas de badge Vénus. Donc ça pourrait me faire un badge. Donc Aridor, bien sûr, n'a pas de badge non plus. Ce qui m'intéresse bien, c'est. Mais j'aurais qu'une flotte. Alors je suis pas tombé sur des cartes de flotte. Je suis pas tombé sur. Je vais prendre un plan un peu plus large avec la caméra déportée. Là. Déporté, je sais même pas si c'est une caméra déportée techniquement. Je suis nul en technique vidéo comme ça. Je sais pas. Il y a des cartes déjà qui conseil d'amis. Au début, quand vous avez des cartes, vous avez votre main de 10. Bonsoir, Vénus. Au début, vous avez votre main de 10. Bon, déjà avant même de faire un choix de corpo et de cartes préludes, vous savez tout de suite qu'il y a des cartes qui vont pas matcher. Là, dans notre cas, on a la zone urbanisée. Dans la configuration, elle sera jamais intéressante. Genre, c'est pas. On peut déjà la mettre de côté. Enfin, quand je dis mettre co de côté, c'est on peut déjà l'acheter. Je vais me faire une espèce de défausse qui sera hors champ. Alors, vous le verrez pas, bien sûr, parce que hors champ, ça veut dire que vous le verrez pas. Et je vais la laisser là-bas. On a la porte vénusière, les algues et les mousses nitrophiles. Il y a peut-être un truc à faire pour vraiment blinder de forêt. Il y a peut-être un truc à faire. Maintenant, ça nécessite beaucoup d'océans. C'est-à-dire que je vais devoir crapahuter à mort pour monter l'océan.
Je peux jouer une carte éventuellement sans monter aucun océan grâce aux experts en écologie. D'ailleurs, est-ce que si je pars sur cette carte-là, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui demandent des prérequis assez élevés? La mangrove, les éoliennes, c'est quand même chaud à installer. Mais les éoliennes, je pense qu'on ne les gardera pas. Passera pas le cut. Ah oui, bah, en parlant de cut d'ailleurs, zone écologique. Je pense que. Les badges animaux arriveraient uniquement sur cette carte. Il y a peut-être moyen de faire une combinaison avec le zoo martien, mais non, 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 il n'y a pas de combinaison à faire. C'est uniquement pour les points. On sait qu'en solo, il faut vraiment essayer de soigner la victoire et regarder les points seulement à la fin quand on se sent bien. Ou alors, il faut vraiment, vraiment, comme j'ai dit, hein, être sûr de soi. Donc là, on va plutôt. Voilà, ça passe pas le cut, clairement. Les navettes, ça nécessite 5 d'oxygène. Voilà, après, c'est un peu plus avancé comme infection. Je reviendrai un petit peu plus tard. Mais garder les deux, non. Si on en garde, c'est une seule. Si je garde celle-ci, il va falloir que je supprime des plantes que j'ai même pas encore. Que j'aurais pas grâce à une carte prélude. Donc c'est pareil, s'il y en a une qui doit. Je garderai pas les deux. Trop long à installer. Mais si j'en garde, même si les deux sont très intéressantes, attention. Si j'en garde une, autant garder celle qui a un plus gros prérequis et qui ne demande pas de cramer des plantes. Des algues, pourquoi pas? Pas encore sûr, mais pourquoi pas. Je vire les mousses nitrophiles. Et il me reste 7 candidats. Attention aussi à Aridor. Si je pars sur Aridor, je commence avec 40. Sachant que si je pars aussi sur l'Empire financier, je commence avec moins 6. Donc je commencerai avec uniquement 34. 34, moins 3 par que je vais conserver. Et ça fait pas lourd. Hein. Faut pas. Donc, si j'installe ce fameux zoo martien. Déjà, zoo martien. ça fait quand même que. Zoo martien, si je la joue. Le badge. Ah oui, en plus, je disais badge terre, mais. Lorsque je joue, il y a un badge terre. Donc, l'Empire financier sera déjà joué avant que je place cette carte-là. Sauf si je joue les experts en écologie pour bénéficier d'une carte en main jouée en ignorant les prérequis. En fait, il faudrait que je joue cette carte prélude d'abord pour pouvoir poser ça, puis je joue celle-là pour ajouter un animal. Mais ça fait beaucoup de choses et ça m'empêcherait de profiter des algues avec le 5 océans de prérequis pour juste gagner un méga crédit quand je vais venir là. C'est franchement pas terrible. Mais c'est intéressant. Le zoo martien, je me demande. Enfin, pour moi, il est quand même intéressant dans la mesure où il y a Miranda. J'ai envie de dire que c'est la petite fantaisie que j'ai envie de m'accorder pour la partie. J'aime bien m'accorder une petite fantaisie par partie, souvent plus qu'une d'ailleurs. Là, il y en aura une en particulier. Et je pense que c'est là. En fait, cette carte-là, je peux pas expliquer. Hein, mais elle me fait marrer, moi, à chaque fois que je la vois, avec une tête de cheval comme ça. Enfin, celle-là, elle est encore attachée au corps, hein, on n'est pas dans le parrain. Donc ça me plaît bien. À ce moment-là, les algues, j'ai quand même envie, parce que c'est toujours intéressant de placer des forêts, sans payer 23, ça coûte une ruine. Et la mangrove, si je joue les algues, je ne jouerai pas la mangrove. Et là, je vais essayer de diversifier les badges maintenant. Là, je pars clairement sur Aridor. Je suis parti sur Aridor là. Si je pars sur Aridor, je veux le max de badges différents. Et je sais que si je pars. D'ailleurs, il y a une alternative. Il y aura un choix à faire. En fait, toutes les cartes sont bien. Il n'y a pas une qui se démarque vraiment du lot. Si ce n'est peut-être comme l'Empire financier qui me fait de l'œil à mort. C'est trop versatile pour ne pas la jouer. Bah, il faut diversifier les badges. À ce moment-là, si je diversifie les badges, le freinage aérodynamique, c'est très bien. Mais en l'état actuel des choses, j'ai eu absolument aucun événement spatial. Même si c'est pas mal, j'en ai pas. Les navettes, moins 2 pour les. Mais ça demande d'avoir de la prod d'énergie. Je suis mal parti pour. Porte vénusienne, j'ai pas de badge Vénus, hein, mais enfin, j'ai pas de carte avec un badge Vénus à jouer derrière, mais par contre, j'ai deux badges là pour le prix d'une carte. C'est-à-dire, quand je lance celle-là, je vais gagner deux de prod d'argent, victoire, éventuellement. Ces deux-là, je suis quasiment sûr de les jouer. Les éoliennes,
Les éoliennes. Je me demande si je vais pas quand même, si je vais pas ne pas jouer les algues et partir sur. Il y a un vrai choix à faire. Paf. Le fournisseur, je vais quand même le, je pense que je vais partir dessus finalement. Pour une raison simple, c'est que je vais essayer de commercer, donc je vais commencer avec deux prods d'énergie. Il va me falloir trouver une troisième prod d'énergie. Et j'aurai ce qu'il faut pour envoyer ma navette récupérer des animaux pour mon zoo martien, hein, qui sera la fantaisie. Ouais, je crois que je vais partir là-dessus. À ce moment-là, exit les experts en écologie. Je pars sur un badge d'énergie, un badge de terre. Et je vais me conserver le zoo martien. Ça va me faire badge construction, badge papate, porte vénusienne, badge espace, badge Vénus. Là, j'ai 6 badges différents. 6 badges différents, ça va me faire une prod de 6 d'argent. Combiné à l'empire financier, je vais avoir 12 de prod d'argent quasi instantanément. Ça me paraît pas mal. Et du coup, je bénéficie pas de ce fameux bonus en ignorant les prérequis globaux. Alors, je passe beaucoup de temps sur la phase de sélection des cartes, mais elle est archi importante dans une partie de Terraforming Mars. Donc, navette, algues, finalement, tant pis. Ce sont des bonnes cartes. Algue, je pourrais à la rigueur encore la garder si je pense mettre de l'eau vite, mais j'ai pas de quoi mettre de l'eau vite. Je peux pas attendre. Les éoliennes, prérequis, on n'y sera pas. La seule exception, la seule carte que je garderai bien au cas où, c'est comme le freinage aérodynamique. Ça, éventuellement, parce que je suis pas parti pour jouer vraiment chaleur, l'énergie peut potentiellement se transmuter en chaleur avec le temps. Mais l'énergie, elle va partir dans les navettes. Donc ça, allez, exit tout ça. Et je vais m'accorder un bénéfice du doute avec le freinage aérodynamique. Je sais pas ce qui va tomber derrière. Et au pire, c'est 7. Enfin, c'est 3 pour la garder. Et puis peut-être 7 si je la dépense derrière. Ça me paraît bien. Donc je vais garder 9. On part sur ce start-là. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est con, mais target toujours intéressant avec colonie. Hein. On se monte une petite prod d'énergie facilement et c'est cadeau. Mais là, je veux jouer à Aridor, je l'ai jamais joué. Et avec Aridor, je vais pouvoir choisir une colonie de plus. Alors, tiens, j'ai pas mis mon marqueur de hop, solo 14. Donc, rappel des faits, nous avons Aridor. Hop! Je commence à 40 mégacrédits. 40. Ça va changer. Bien sûr, je ne vais pas rester à 40. Ça va changer, mais on va imager la chose. J'ai le droit, pour ma première action, donc pas tout de suite. Attention, pas tout de suite. On va vraiment suivre scrupuleusement les règles. Pour chaque fois que je vais mettre un nouveau badge en jeu, je vais augmenter ma production de mégacrédits de 1. Ça, bien sûr, la corpo, on va la mettre en évidence. Voilà, nous sommes sur Aridor. Et là, nous allons jouer deux cartes préludes. Donc d'abord l'Empire financier. L'Empire financier. Hop. Badge terre, nouveau badge. Hop, j'augmente de 1. Et puis j'augmente ma production d'argent de 6. Donc je passe déjà à 7. Mais je perds 6 000 crédits immédiatement. Donc ça c'est réglé. Empire financier. C'est fait. À côté de ça, le fournisseur. Fournisseur, badge énergie, nouveau badge. Hop, plus 1. J'augmente ma poids d'énergie de 2. Hop. Et je gagne 4 aciers qui pourraient servir. 4 aciers. Voilà. Alors, toujours mettre un peu en évidence ces badges. Ça permet de calculer plus vite quand il faut calculer en fonction des badges. C'est dans le champ, c'est dans le champ. Et maintenant, je conserve 9 cartes en main, que des bleus. Je paye donc 9, 3 par carte, ça fait 9, je paye 10, me revient 1. Je commence la partie avec 25 mégacrédits et avec ça en main. Donc là, on va dire que ça c'est la main, pour l'instant je vais garder ça comme ça. Début de partie, première action. Là, on y va, hein. Allez, génération 1, passe-partout, 1. Et on a le choix, alors ça c'est une colonie bien sûr, on a le choix d'une colonie. Et là, on a déjà un choix crucial à faire. Je pense que Titan, on peut déjà exclure. On a le choix entre
Il y en a 11 en tout, moins 3, 8, entre 8 colonies restantes. Voilà. Titan, on peut déjà exclure du choix. Jouer avec les flotteurs, on n'est clairement pas parti pour jouer avec les flotteurs. Ça passe pas le cut. La Lune, sérieux candidat. J'étais content de tomber dessus tout à l'heure avant que je me rende compte que mon calcul n'était pas bon et c'était pas, c'était pas le bon à piocher. Encelade, c'est un peu le même schéma que Titan. Comme ça. On va pas trop jouer sur les microbes, on laisse tomber. Ganymède, ah les plantes. Toujours sympa les plantes pour mettre des forêts. Sérieux candidat. CRS, SS, CRS, SS, vous connaissez le truc. Bon, CRS, non. De l'acier. L'acier, c'est bien d'avoir une prod d'acier, mais on peut facilement récupérer la prod d'acier avec certaines cartes projet. Donc, on va pas le prendre. On passe pas le cut. Pluton, c'est la pioche de cartes. Toujours intéressant de piocher de la carte. Toujours intéressant. Je le mets avec. Je le mets en tier 2. On va dire qu'il y a le tier 1, le tier 2 et le tier 3. Il est déjà parti dans la défausse. Europe, très versatile, Europe. C'est pas mal. On va aller chercher des prods. Prod d'argent, prod de... Quand je dis argent, c'est du méga crédit. Prod de... d'énergie, prod de plantes. On met dans le top 1. Et Yo, la chaleur. Intéressant aussi, je vais mettre en 2 par contre. Là, déjà, en mettant des choses dans le 2 et des choses dans le 1, on peut déjà éliminer ça quasiment, même. C'est toujours bien d'avoir de l'argent. Alors maintenant, je suis parti pour quand même produire pas mal d'argent. Alors c'est peut-être pas sur la Lune que je devrais me porter. Europe et Ganymède, c'est clairement intéressant. Io, le bonus, la prod de chaleur, c'est uniquement si j'installe une colonie. Maintenant, je vais quand même récupérer des dégâts de chaleur assez substantiels quand je vais venir faire un tour de temps en temps. Ça peut être un tour, je viens, je prends un niveau aussi en chaleur. Ça peut être intéressant aussi. Je virerai Pluton, ce qui est plus intéressant à faire que piocher des cartes. Surtout que c'est piocher et rendre des cartes. Enfin, c'est pas juste piocher des cartes. À part quand je me pose. À part quand je pose une colonie. Pour moi, Ganymède, bon, ce sera que de la plante. Plante, je peux avoir un petit peu l'équivalent ici quand même. En prod en tout cas. Maintenant, ça c'est presque comme Yo, hein. C'est l'équivalent de Yo pour installer des forêts. Donc je partirais bien sur. Donc ça c'est. Il est plus versatile et ça me permet de poser un océan pour 17 au lieu de 18. Europe il est toujours bien, évidemment. C'est un océan moins cher. Je pense que je vais partir sur Europe. Hein. C'est. Allez, on part sur Europe. J'ai pas 36 000 choses à jouer, de toute façon on va jouer un zoo martien. Parce qu'à partir du moment où on va jouer le zoo martien, on va pouvoir jouer avec Miranda. Donc autant le faire. Même si c'est 12 pour pas grand chose, mais en plus je vais le payer en acier, vous voyez, y a que ça qui se paye en acier, donc je vais même pas le payer très cher. Donc c'est intéressant de jouer le zoo martien, je vais le placer là. Je le paye 12. Les prérequis bien sûr je les ai. Hein. Les d'électricité sont là. Je vais payer donc 12 en acier, ça fait 4 aciers, ça vaut 8. Il me reste 4 à payer. Hop, paf, c'est fait. Je récupère un badge de construction, j'en avais pas encore. Et un badge de papate d'animal, j'en avais pas encore. Donc ça fait plus de prod d'argent, je suis à 10. Intéressant. Par contre, pour l'instant, si je le joue, hein, on va dire que je vais le mettre. Je vais faire ça. Hein. Ouais, pour dire que je l'ai joué, je l'ai pas joué. Ouais, on va faire ça, ce sera plus pratique. Visuellement, ce sera plus pratique. Pour l'instant, j'ai aucun intérêt à y jouer. Par contre, je viens de jouer une carte qui permet de récupérer des badges, bah des ressources animales. Donc, hop, ça y est, on peut jouer Miranda. J'ai encore ces deux choses là à faire. Il me reste 21. Par contre, je peux très bien m'amuser à jouer une colonie. Ça peut être bien. Ça va me permettre d'aller construire. En fait, il y a plusieurs choses à entrevoir. Je vais récupérer de l'énergie. Je vais pouvoir déjà naviguer bientôt. Je pense que installer une centrale pour récupérer une troisième énergie pour commencer à utiliser les colonies. En plus, je joue en solo et j'ai trois choses qui m'intéressent et c'est hyper intéressant. Je récupérerai plus tard sur Triton du titane pour acheter ça, donc j'ai le temps. Je suis bien. Je vais payer 11 pour faire un projet standard. Je vais faire une centrale. Hop, je passe à 3. Il me reste 10. Et avec 10, je peux. Alors, je peux peut-être déjà commercer. Pour 9, 9 méga crédits, je peux commercer. Si je commerce. Après, je peux aussi économiser mes billes. Hein. Je peux aussi faire ça. Il n'y a pas d'urgence. Mais c'est quand même intéressant si je joue ça.
tout de suite. J'ai encore de nouveaux badges, je rappelle, hein, Harry d'or. Je vais encore récupérer d'autres prods d'argent. En début de partie, c'est quand même hyper intéressant. Je vais partir là-dessus. Il n'y a pas de prérequis, on y va. Je vais la mettre ici, parce que c'est un... Ah, on la verra pas ici. Voilà, ça c'est un passif. Pour l'instant, j'ai des agences comme ça, mais ça va, à mon avis, ça va changer, parce que je vais avoir un bordel d'infos à gérer, un flux de cartes qui vont arriver. Je paye 9, il me revient 1. Et deux nouveaux badges, comme prévu. Donc je récupère plus de prod de crédit. Je suis déjà pour mes crédits. J'avais dit hein, que ça allait faire du 12. Ça allait faire du 12 à la fin du tour. Ça, j'ai toujours ça en main. Je vais la garder ici. Du côté, on ne le voit pas. On va faire un petit focus sur ma main. Tiens, ça sera le focus sur ma main. Pour l'instant, j'ai que ça en main. Voilà, c'est tout ce que j'ai en main. Et on a fini le tour. Je vais faire monter un niveau d'oxygène. C'est ce qui coûte le plus cher à mettre en place. Après, il y a aussi le truc intéressant, se mettre là pour choper les bonus, là, mais. J'ai pas besoin de. Non, je vais le faire là, d'ailleurs. Je vais le faire là. C'est mieux. Voilà. On va prendre un niveau de chaleur plutôt. Que faire ensuite? Eh ben, c'est tout. Donc, on va hop, augmenter ça. On va faire nos productions aussi. Je crois que c'est d'abord les productions dans l'ordre. Donc, 12 plus 14, ça fait 26. 20, 25, 26. Ici, je suis bon. Il y a 3 énergies. Et c'est tout. On arrive au deuxième tour. Je vais piocher à droite, tiens, pour changer. Deuxième tour. Et j'ai pas joué le The Martien, parce que j'ai absolument aucun intérêt à jouer, j'ai pas d'animal dessus. On récupère 4 cartes. Une extraction du Père Gélisol. On les récupère, garder ou pas. Moins 8 minimum, ça va être galère, hein. C'est encore loin. Bon. Pour un océan, mais un océan qui va pas coûter très cher, ça peut quand même être sympa. Les zeppelins, faut 5% d'oxygène, on est encore à 0, c'est pas pour tout de suite. Et on augmente notre prod de 1 par cité adverse, par cité sur Mars, y compris les miennes, mais bon, il y en a deux de façon pour l'instant. On a les lentilles, oh, c'est une carte, ah, ça c'est une carte en mode que j'ai pas virée. On va prendre une note à la place. Voilà, je vais la dégager du jeu. Je vais la mettre derrière. On a l'énergie de fusion. L'énergie de fusion, ça demande deux badges énergie. J'en ai un. C'est dommage parce que ça pourrait me donner un badge de science en plus. Pour encore augmenter ça. Et ça, bah, c'est toujours pas mal. Dépôt de minerai. Pour 5 minerais pour 5. Ouais, en gros, ça me fait gagner 10. Mais si je joue une carte avec un badge bâtiment. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça m'intéresse, mais. Ça m'intéresse, mais je peux pas la jouer pour l'instant. Et c'est pas dit que je la joue. Tant que je pioche pas la bonne carte, je ne pourrais pas la jouer. Faudrait que j'arrive à piocher des cartes pour me donner un peu plus de latitude là-dessus. Bon, de toute façon, on peut déjà éliminer. En fait, je pourrais financer ça en grande partie avec ça, mais. Bah ça c'est quand même, on paye 3 plus 5, on gagne 10, donc une économie de 2. Non, si je peux pas le jouer maintenant, c'est de l'argent bloqué. C'est 3 bloqués, j'ai limite envie de rien prendre, et de jouer avec les fonds que j'ai. Peut-être juste garder celle-là, je garde pour 3. Allez, je vais juste garder celle-là, pour 3, hop, ça c'est ma main. Voilà. Je jette le reste. Je paye 3. Je paye 5, il m'en vient 2. Et puis, maintenant, j'ai pas masse de choses à faire. Il va y avoir du commerce. Il va y avoir. Alors, ça va être intéressant de. On va acheter une colonie. Ça coûte 17. Donc, je paye 20. Il m'en vient 3. Et on va aller se placer. Alors je peux prendre, d'ailleurs la prod d'énergie, j'étais idiot. Alors, vous voyez, le premier misplay, c'est que j'aurais pu, le premier tour, j'aurais pu carrément mettre une colonie sur Callisto, je l'aurais eu, ma prod d'énergie. Ça c'est un misplay, ça vous voyez. Miranda, si je me place sur Miranda, je vais pouvoir piocher des cartes en bonus colonie par la suite.
Mais j'ai envie de placer une flaque d'eau pour récupérer une carte. Alors je vais me placer sur Europe. Mon bonus de placement de colonie, c'est d'augmenter ma prod méga crédit de 20, donc je passe à 13. Et je place une ville. Ah non, attendez, je dis une connerie. Je dis une connerie. Je dis une connerie. Non, c'est si je commerce que j'ai ça. Je place une tuile océan. Ça. Je dis une bêtise. La tuile océan, je la place ici. Ce qui a une carte à piocher. J'augmente mon été de 1. Je place un océan. Et je pioche une carte. Et la carte, c'est les Assyries. Les Assyries. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est même super. Et là, je regrette de ne pas avoir gardé ma carte avec les aciers. Mais bon, enfin, que voulez-vous, on prend des risques. Parfois, il faut réfléchir avec ce qu'on a. Et on peut pas trop anticiper des cartes qu'on n'aura peut-être jamais de la partie. Donc ça, c'est pas mal, mais il faut que je... Par contre, ouais, là, je suis quand même content d'avoir gardé ça. Parce que ça va me servir pour les aciéries, ça va être un bon moyen de monter l'oxygène. Je vais mettre ma main un petit peu ailleurs, ça va être confus sinon. Zoom sur ma main. Hop. Ouais, c'est ce que j'ai en main. Je vais aller voyager. Quand je dis voyager, je veux dire commercer. Et je pourrais, si je vais commercer sur Europe, je gagne un niveau d'énergie. J'augmente ma prod d'énergie. Et j'ai un méga crédit de bonus de colonie. Si je commerce ailleurs, bon, c'est pas encore assez intéressant. Miranda, ça reste à 1. Non, je vais utiliser 3 énergies pour aller commercer sur Europe. Et je vais prendre un niveau de prod d'énergie pour passer à 4. Je vais en réalité anticiper les aciéries. Et un méga crédit de bonus colonie. Voilà. Et là, il me reste 8. Et j'ai pas l'intention. Freinage aérodynamique, on verra plus tard. Si j'ai pas besoin de la jouer, ben, je vais pas dépenser 8 pour ça. Avec 8, j'ai rien d'autre à faire. Je vais finir le tour. Ouais, je vais finir le tour. En production, je suis toujours à 12 et 15, 27. Et ensuite, j'ai 4 énergies. Ici. 4 énergies. Maintenant, la flotte revient. On fait progresser le tout de 1. Et l'effort mondial de terraformation, on va le faire là aussi, une fois de plus, histoire d'être prêt à prendre le petit niveau de petit boost là. Toujours jouer avec les boosts, c'est hyper important. Surtout en solo, on ne peut pas les rater. Celui qui rate les boosts en solo, il s'y prend quand même sacrément mal. Hein. Faut le faire pour rater ça. La prod en est bon, ça c'est bon. On commence la troisième génération. Hop, ma double pioche. Qu'est-ce qu'on a de beau dans cette Tough Kinder de ce tour? L'énergie solaire. Ah bah voilà le badge d'énergie qui nous manquait. Nickel. On va certainement le prendre. On augmente la prod d'énergie de 1. Alors on peut le payer en acier, mais j'ai plus d'acier. On a des collecteurs atmosphériques. Alors ça, de mémoire, c'était pas mal, mais c'est bon. Alors c'est dommage parce que c'est peut-être une carte que j'aurais pioché avec si j'étais parti sur Celestique. Donc l'action, c'est soit on récupère une ressource flotteur, soit on utilise une ressource flotteur pour gagner deux titanes, deux énergies ou quatre chaleurs. Et on ajoute deux flotteurs à n'importe quelle carte. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, je vais financer un voyage de commerce avec cette carte. Ou alors du titane, ou de l'énergie. Je la trouve bien, moi, cette carte. Hein. Elle me plaît bien. Elle vaut 15, mais bon. Les tardigrades, c'est uniquement pour les points de victoire. Par contre, ce qui est pas anodin, c'est que pour 4, je lance un nouveau badge qui me permettrait d'augmenter ma prod de... Mais je vais payer la carte 4, je vais payer 3 pour la conserver. C'est-à-dire que je vais payer 7 en tout. Je la phase 3, bon, ça reste rentable, mais c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent bloqué dès le début. Donc là, c'est pas dit que je la garde. Je pense même que je la garderai pas. Protection solaire géante. Par contre, là, c'est un badge Vénus, un badge espace, donc j'aurai pas de nouveau badge. Mais je la paye 2 de moins. Tu peux la payer en titane et des titanes je pourrais en récupérer. Plus 3 pour augmenter Vénus, au moins c'est efficace. Ça veut dire que j'augmenterai Vénus
de 3 crans pour 27, pour plus 3 de la conservation de la carte pour 30, à la place de 45, si je fais 3 fois le projet standard. C'est plutôt intéressant. Les tardigrades, je ne les conserve pas. Par contre, là, je vais avoir des choix à faire, parce que je ne suis pas non plus... j'ai pas les fonds illimités. Alors, clairement, énergie solaire, je vais la garder. J'en ai besoin pour débloquer ça. Et je me demande si je vais pas... collecteur atmosphérique, c'est intéressant, hein, mais j'ai pas envie de perdre plus de temps. Parce que là, je vais vraiment ramer. Si je pars là-dessus, je vais ramer. Alors que là, je paye 11 pour payer 14 derrière, j'aurai besoin de 25. Il va plus me rester lourd derrière. Non, je vais garder la protection solaire parce que ça va me faire bondir de 3 crans sur Vénus, mais celle-là, tant pis. Je sacrifie. J'ai connu trop de parties où on conserve plein de cartes parce qu'elles sont bien. Parce que ça synergise bien. Et au final, on se brûle un petit peu les ailes parce qu'on a trop de cartes, on a plus assez d'argent parce qu'on a payé pour trop de cartes. On a plus assez d'argent pour tout développer. Et puis c'est pas bon. Clairement, on se tire une balle dans le pied. Très clairement. Début de tour. Nous allons jouer. On va mettre en place cette chose-là. Je peux même peut-être mettre en place ça. Avant toute chose. Mais je ne voyagerai pas et j'aimerais aller chercher deux petits canassons pour mon zoo martien. Donc on va mettre en place ça quand même. Qu'on va faire? Ça va commencer par l'énergie solaire. Oui. L'énergie solaire. 11. On paye 11. Et on joue une carte. Moi, je la fous là. Je sais pas ce que je la mets. Pourtant, on va débarrasser, on va faire un petit peu de place quand même. Hop, voilà. Voilà, ça c'est ma pioche. Ça c'est ma pioche et ça c'est mon dard. Un bon soldat et un vrai pétard. Alors on a hop l'énergie solaire, on va mettre là. Ouais, c'est les cartes vertes qu'on va jouer. Alors ici, pas de nouveau badge. On augmente la prod d'énergie de 1. Et surtout, haha, on a enfin deux badges. On a enfin deux badges énergie. On va pouvoir jouer ça pour 14. 14, je paye 15, il me revient. Nouveau badge. Badge science. Je gagne une prod de 1 méga crédit. Bon, les autres badges, je les avais déjà. Et j'augmente la prod d'énergie de 3. Je passe de 5 à 8. Mais dis-moi, Jamy, comment on fait maintenant pour récupérer un peu de thunes? Parce qu'on n'a plus de thunes. Alors, Jamy gourmand, il va voyager. Il va commercer un coup. J'ai bien envie d'aller commercer sur Miranda. Parce qu'il y a des animaux. Et ça me permet de gagner des revenus chaque fois. Maintenant, il y a peut-être plus intéressant à faire. 5 énergies. D'ailleurs, j'ai commercé sur Europe tout à l'heure. J'ai pas remis le pion. Ce qui fait qu'à la fin du tour, ça avançait de 1. Ouais. Parce que je me suis pas planté. J'ai toujours cette. C'est marrant, j'ai toujours cette crainte de me planter. Mais non, c'est ça, je suis bien. Donc là, je vais sur Miranda. Je dépense 3, bien entendu. Et ça me permet de récupérer deux animaux que je place sur le zoo martien. Hop. Avec le zoo martien. Bon, nouvelle action. J'active le zoo martien. J'ai deux animaux dessus. Je gagne donc 2 méga crédits. Il me reste 6. J'ai plus grand chose à faire. J'ai terminé mon tour. Production. Je suis à 13. Donc j'ai pas terraformé là. 13 plus 15, 28, 20, 25, 28. Je ne produis rien d'autre à part de l'énergie. Je produis 8. Il me restait une énergie qui devient la chaleur. On réinitialise ça. Le bateau de commerce revient. Là, j'ai des animaux d'ailleurs, donc c'est passé à 0. Je commerce, mais j'oublie toujours d'enlever les déplacer les petits cubes. J'ai fait de l'argent. L'effort de terraformation, on va le faire ici. On va le faire en oxygène maintenant. Et puis c'est un nouveau tour, donc génération 4. On pioche deux cartes. Quatre cartes, pardon, pas deux cartes.
On pioche. Ah bah, industrie de construction. Là, c'est nickel. On va pouvoir échanger de la prod d'énergie contre de la prod d'acier. Ça coûte 6. C'est pas très cher. Hein. Une forte chance que je la garde. Location de flotteurs. On augmente la prod d'argent par rapport au nombre de flotteurs qu'on a. Je vais clairement pas la jouer. Hein, pas d'intérêt. Concours d'invention. Ça peut être bien pour piocher un peu de cartes. Et contact professionnel. C'est le même délire. C'est vraiment le même délire. Par contre, il y a un badge terre. Badge terre, lorsqu'on joue une carte terre, on a un animal sur The Martian. Donc je vais la garder. Contrairement au concours d'invention. Et donc, 4 premières cartes, on en garde 2 dans sa main. C'est pas mal. Je vais garder ces deux-là. Je vais pas conserver les deux autres. Elles ne m'intéressent pas. Je paye 6. Et là, je pense qu'on va tout de suite jouer le concours d'invention. Enfin, oui, les contacts professionnels, pardon. Je donne le nom de l'autre carte. Je vais tout de suite jouer ça pour 7. Parce que pour 7, ça me fait budgétaire. Hop, un animal en plus dans le zoo martien. Je paye 7. Je vais donner 12, on va rendre 5. C'est une carte événement. Je vais la mettre comme ça de dos. Voilà. J'en pioche 4 et j'en choisis 2. Sont gratos. Voilà, dépoussez les deux autres. Nous avons une usine alimentaire. Pour 12, moins de prod de plantes, plus d'argent, je pense pas que je la garderai. Conférence d'Olympus. Oui, il y a un badge de terre. Il y a un badge de terre. Alors ça, c'est soit à chaque fois qu'on va jouer un badge de science, soit on va récupérer une ressource science, soit on va la en défausser une pour piocher une carte, c'est pas mal. Faut jouer des sciences, quoi, par contre. Hein. Agriculture, c'est toujours sympa, mais alors ça va être long à mettre en place. On va mettre là, exportation lunaire. Ouh! Ouh! Badge de terre, badge espace. Je n'avais pas un truc. Ah non, j'ai plus gardé. Non, j'ai pas gardé celle des rabais avec le badge espace, tant pis. Et par contre, prod de 2 plantes ou 5 méga crédits, les 2 plantes me tentent bien. Ça peut être un petit. Je vais simplement garder, je vais rester sur mon délire zoomartien. On va faire les petits. La partie va s'appeler le zoo martien. Hein, un truc comme ça, je crois. On va partir là-dessus. Ça, c'est marrant. Par contre, on va pas mettre ça tout de suite en place. C'est un petit peu gadget. On va pas mettre ça tout de suite en place. On va mettre. Exportation lunaire, ça peut être intéressant, par contre. Il va me falloir du titane. Bon, je vais reprendre ma main. On va prendre les choses en main. Là, on veut installer un truc secret. On veut de l'acier. On va payer tout de suite d'ailleurs pour l'acier. On va payer 15. C'est trop important. Pour être négligé. Je paye mes 15. Maintenant, je peux transformer et je vais faire tout de suite. Je vais utiliser cette action. Je paye 4 d'énergie. Je donne 5, il me revient. Pour récupérer 2 aciers. Et augmenter l'oxygène de 1, ce qui me fait gagner 1 NT. Parce qu'il faut quand même gagner la partie, je vous le rappelle. Hein, le but, c'est quand même de faire. Et bah, de terraformer la planète. Et ouais, je vous le dis, vous ne dites rien, bien sûr que c'est ça le but. Maintenant, il ne nous reste plus. Pour, il nous reste 5. Est-ce que je peux essayer de jouer? Alors, ça m'intéresse beaucoup, ça, à jouer. Et ça, je peux le jouer. J'ai 2 aciers. Ça va me faire 4. Il manque plus que 2 méga crédits. Ça, je l'ajoute tout de suite. Je perds 1 de prod d'énergie. C'est pas très grave. J'ai besoin de 7, moi. J'ai besoin de 3 pour naviguer et commercer. Et j'ai besoin de 4 pour faire tourner mon aciérie. Donc c'est parfait. J'ai perdu 1 et je me manque de 2 la prod d'énergie. L'acier, ça va me servir pour la suite. Il me reste 3. Je vais plus faire grand-chose. Au niveau de ma main, j'ai plus grand chose à faire. Par contre, je peux encore faire le zoo martien, je ne l'ai pas fait. Et je peux naviguer avec 3 énergies. Je peux prendre de la prod de chaleur ici, mais je vais attendre que Europe monte pour prendre la prod de plante. Ça m'intéresse plus. Du titane, ça va forcément me servir derrière. Ça va me servir dans très peu de temps. Callisto, je crois que pas tout de suite. Et Miranda, juste pour un animal. Mais par contre, je peux piocher une carte sur Miranda. C'est ça qui est intéressant. Si je vais sur Miranda tout de suite, je fais le zoo martien après.
Est-ce qu'on cultiverait pas ce zoomartien là? On lui fera un petit effet snowball, je pioche une carte avec. Et là, c'est l'équivalent de 9 mégacrédits. Mais si je peux poser une colonie là entre-temps, je gagnerai un de plus. Ouais. Mais non, je dis n'importe quoi avec Miranda, piocher une carte. Non, c'est le bonus colonie, j'ai pas encore de bonus colonie, donc on va pas aller sur Miranda. On va voyager sur Triton. Là, je m'en mêle les pinceaux. Je dépense 3 énergies et je récupère 3 titanes. Voilà. Et ensuite 2 zoos martiens, je récupère 3 mégacrédits. Parce qu'il y a 3 animaux dans le zoo. C'est un petit zoo, plein d'avenir, mais il est très petit. J'ai fini mon tour. Voilà, va vraiment falloir que je pense à monter ça par contre. Et là, je crois que c'est un océan que je vais placer en gratuité. Mais pour l'instant, je vais déjà faire ma prod. Je suis à 13. 13 plus 16, ça fait 29. Je vais mettre 30, je vais retirer 1. Voilà, alors il y a l'énergie qui passe en chaleur. Il y a deux aciers qui se stackent. Et il y a 7 énergies. Ça revient, on augmente tout de 1. Ça devient intéressant pour Europe. La Callisto, ça devient intéressant aussi, même si l'énergie j'en ai pas mal, mais ça sera de la chaleur, donc c'est pas rien non plus. Et donc l'effort de terraformation mondiale, ça sera de la flotte. Et je vais la mettre ici, parce que je ne prends aucun bonus, donc autant la mettre là, comme ça après quand j'irai chercher Olympus Mons, je serai bien content. On reset ça, on passe à la génération 5. Je pige 4 cartes. Ah, alors je vais regarder encore une carte de Tormoil que j'ai pas enlevée. Donc voilà. On a les insectes. Les insectes, toujours bien, mais ça dépend du nombre de bad plantes et je n'en ai aucun. Donc pas d'intérêt. Et j'en ai pas non plus à placer là. On n'est pas vraiment parti sur les plantes. Le grand barrage, encore de l'énergie, mais j'ai déjà largement ce qu'il faut. Je peux m'en avoir encore plus. Cité Aurora, faut 4 badges de science, on n'y est pas. Et l'usine, ah là par contre c'est très intéressant. Ça coûte 11, je peux le payer en acier. Ça me supprime une prod d'énergie, mais ça je peux refaire s'il faut. Et ça me procure une prod de 4 chaleurs. Ça je prends tout de suite, les yeux fermés. Je paye 3, je garde une seule carte. Alors là, on va faire les choses sûres. On va faire d'abord parler la Syrie. On paye 4 énergies. Il me revient 1, il me reste 3. Pour gagner 2 aciers. J'aurais peut-être quand même dû la prendre notre carte. Mais... Ouais, je fais le pari que non. J'augmente l'énergie, l'oxygène de 20. Hop. Et maintenant. Bien envie de jouer les exportations lunaires pour commencer à faire de la plante. Ça coûte quand même 19 cette histoire. Mais il faut la plante, faut la faire rapidement. Plus on fait rapidement, plus on peut mettre deux plantes. Logique. Je vais payer 19. Pas de nouveau badge. Par contre, j'augmente ma prod de plantes de 2. Et il y a un badge espace, donc zoo martien. On est content. Un animal le plus dans le zoo. C'est peut-être le moment de faire le zoo martien d'ailleurs. Alors je vais commercer. Et je vais commencer sur Europe. Je viens sur Europe. Je gagne une prod de plante de 1 et je gagne un méga crédit de bonus colonie. Prod de plante de 1, comme ça je suis à 3. On est bon. On est bon. Il me reste quoi? Il me reste 14. Et 14, c'est peut-être le moment de faire un coup de chaleur. Après le zoo martien, j'ai potentiellement 4 encore à prendre. Mais il y a l'usine de gaz à effet de serre qui m'intéresse. Vu la tonne d'énergie qu'elle a, je crois que ce sera l'énergie du prochain tour de commerce. Donc j'aurai assez d'énergie, donc je peux me permettre de perdre un de prod d'énergie maintenant. C'est pas gênant. Donc pour 11 en plus, il y a 4 aciers, donc 8. Mégacrédit en acier, j'ai juste 3 mégacrédits à récupérer, à rajouter les 11. Je perds 1 prod d'énergie, mais je gagne 4 de prod de chaleur. Ça, c'est intéressant aussi. On reste toujours 11.
Et 11, ça pourrait servir. Alors en fait, c'est mieux que ça. C'est qu'il reste 11, mais c'est pas tout. Je vais faire le Zoomartien pour récupérer 4 méga crédits. 5 qui revient 1. Et pour 14, hop, hop, j'augmente avec un projet standard. Je balance un astéroïde, j'augmente la chaleur de 1 cran. Je gagne 1 NT. Et je débloque le bonus de prod de chaleur de 1. Hop. C'était un bon tour, ça. Tour sympathique. Fin du tour, production, je suis à 13. Plus 18, 31. Hop, hop, hop. Il n'y a pas d'énergie à passer en chaleur. Il y a deux aciers à prendre. Il y a trois plantes à prendre. Logiquement, il y a six énergies, c'est ça. Et la chaleur, maintenant, il y a de la chaleur. 5 à 1 près. Madame Chambier, à 1 de chaleur près. La flotte, ça revient. Tout décale d'un cran. Hop, hop. Et un prérequis à monter. Alors j'ai bien envie de remettre un océan ou chaleur. Chaleur, je crois que ça va monter vite. Hein. Évidemment, ça va monter plus vite. On va monter à Vénus. Va monter à Vénus. C'est mieux. Et on va commencer à génération 6. On est parti. Une quatrième carte. Nous avons ici piège à chaleur. On fait péter une prod de chaleur, on prend un d'énergie, moins un point de victoire. Oh, ça peut être un petit niveau d'énergie moins cher, mais je perds un point. Si je vais la garder. L'astéroïde pour 14, un niveau de chaleur et un peu de titane. Sachant que je peux toujours jouer mon freinage aérodynamique. Pourquoi pas? Vol d'énergie, la même. Et les seuls Vénusiens. Les seuls Vénusiens, je vais les payer un petit peu moins cher. C'est un niveau de ça, un niveau de plante. Ça peut. Ah, je sais pas. Ouais, ça serait perdre du temps, je pense. Hein. Non, on va garder. Je crois qu'on va garder l'astéroïde parce qu'il y a de avec dans l'affaire, c'est pas mal, mais je vais garder que celle-là. Je paye 10, il m'en revient 7. Je conserve qu'une carte encore. Je suis pas hyper convaincu de cette carte. Hein. On va jouer quand même, parce qu'à un moment donné, il faut avancer. J'ai pas fait ça d'ailleurs, j'ai pas remis mes trucs. Bon, c'est le tour où je vais aller commercer sur Callisto. Non, je vais faire tout de suite. Je vais faire maintenant. Je vais payer. Alors, je vais pas les mettre. Physiquement, je vais pas le faire parce que je vais en récupérer plus. Mais je vais faire. Je vais payer 3 pour aller là et récupérer 13. En gros, j'ai les 3 de base, donc je vais récupérer 10. Ça revient même. Et bien sûr, hop, on revient à 0. Avec cela, on va faire un petit coup d'aciérie. On paye 4. On récupère une. On récupère deux aciers. On augmente le niveau d'oxygène de 1. On augmente le NT de 1. C'est une chose. Il nous reste quoi niveau finance? Il nous reste 29. Alors c'est peut-être le moment de jouer l'astéroïde, peut-être pas tout de suite. Par contre, bah, ou alors je joue les deux en même temps. Mais... On va d'abord jouer une conférence d'Olympus. Alors c'est juste pour le Zoomartien, parce que ça m'a fait délirer. Conférence d'Olympus pour 10. Un badge planète, hein, on le sait. Donc là, on va jouer. Badge planète égale un cadasson de plus dans le zoo martien. Voilà. On va reculer un petit peu ça parce qu'on va s'en servir. Enfin, ça va rester comme ça. On récupère une ressource science, du coup. Et j'ai payé mes 10? J'ai pas payé mes 10. J'ai dit qu'il me restait 29, donc il me reste plus 19. On va faire le zoo martien. Parce que j'ai plus d'intérêt à attendre. Je récupère 5 méga crédits, parce que j'ai 5 animaux dans le zoo. Donc ça va snowball, hein, ce truc. Quand je dis snowball, c'est vite dit, hein, bien sûr, mais ça va être marrant. C'est vraiment une carte. Elle est, je crois qu'elle est, elle est rentabilisée, là, je pense. La carte seule est rentabilisée. Maintenant, ça consent d'autres efforts à côté, mais bon. De base, elle est quand même rentabilisée.
Et puis on va s'installer. Alors il nous reste quoi? Il nous reste 24 à 24. Je peux jouer l'astéroïde et le freinage aérodynamique juste avant. Donc on va le faire. On va jouer le freinage aérodynamique histoire d'avoir un passif. Donc là je vais hop, mettre ça ici pour rappeler qu'on a un passif. Je paye 7, bien entendu. Et ensuite, on va jouer l'astéroïde. L'astéroïde. Ouais, ben j'espère que ça ne change rien. Si ce n'est, d'ailleurs, j'aurais pu payer ça avec tellement à faire maintenant que l'astéroïde, ça revient au même. J'ai payé 14. Je paye 3 titanes, ça fait 9. Il ne me reste plus que 5 à payer, je paye les 5. Et ça me fait plus 1 de chaleur. Hop, je gagne un NT. Ça me fait plus 2 de titane. Hop, je fais perdre 3 plantes au joueur aléatoire, enfin au joueur aléatoire, au joueur neutre. Et comme c'est un événement spatial, je gagne 3 mégacrédits tout de suite. Je vais prendre 5 et je rends 2. Et je gagne 3 niveaux de chaleur. Et là où c'est intéressant, les petits loups, là où c'est intéressant, c'est que j'avais 7 en chaleur, donc là je suis à 10. Je dépense 8 pour augmenter un niveau de chaleur. Je prends un NT et je gagne le bonus de prod de chaleur qui va bien. Je passe à 6, prochain tour, je serai à 8 encore, je pourrais monter d'un niveau. De toute façon, j'en ai plein qui vont arriver là. Il me reste ça en main pour l'instant. C'est ma main, ça. Voilà, ça c'est ma main. J'ai ça en main. Et ça sera tout pour ce tour. Non, j'ai 15, je peux encore faire quelque chose avec 15. Je peux potentiellement faire une purification là-bas. Non, c'est dommage, à deux près j'aurais pu acheter une colonie, mais en fera 100. Alors je crois qu'on va terraformer sur Vénus en 15. Hop. Un cran, ça fait un NT. Je trouve ça pris. Fin du tour. Production, je suis à 13. Plus 22, 35. 35. On n'oublie pas de faire passer la chaleur en énergie. D'accord. On a deux aciers à prendre ici. Ici, les titanes, non. Par contre, là, il y a trois plantes. Ça a commencé à devenir intéressant. J'en suis à 6. Là, il y a 6 énergies. Par contre, j'ai pas monté la prod d'énergie ici. Entre-temps. Ah, c'est ça que j'aurais dû faire. J'ai fait une merde. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. C'est pas grave. Je n'irai pas commercer ce tour-ci. Et là, je prends 6. Ouais, c'est une connerie parce que je pourrais pas faire les deux. Je pourrais pas à la fois. Faire tourner la série et commercer, c'est dommage de pas commercer un tour, mais tant pis, c'est une erreur, c'est une erreur, c'est pas très grave. En parlant du commerce, hop, on décale tout un cran, et l'effort mondial de terraformation, on va le faire parler. Je vais avoir des plantes avec les aciéries. Je pense que je peux quand même arriver à 14 faciles. On va le mettre ici sur Vénus. Pas de plus. Septième génération, donc on arrive à la moitié du jeu. En termes de temps. En termes d'action, on n'est pas encore à la moitié. En termes de pouvoir d'action, on n'est pas encore là. C'est pas le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'action. Les psychrophiles. Alors ça aurait été très intéressant au tout début de partie avec Aridor. Parce que j'avais pas encore le badge ça, là, le badge microbe. Et même encore maintenant, je le paye 3 pour le garder, 2 pour le jouer, ça fait 5. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, bon, c'est tout pile. Et au mieux, ça peut me faire économiser pour des bactéries dénitrifiantes, pardon. Pour du NT. Mais je suis pas parti en challenge NT, donc non. Le poisson salé antigel, c'est pas mal, mais non. Non, 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 même pas en fait. Même pas en rêve. Le grand convoi. Oh! Ouh! Ouh! Ah! 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 Oh, putain, il me la faut. Instabail, plus 3. Il y a tout à rêver. Ah, je la prends direct. Ah, putain, j'ai pas plus belle carte. Le grand convoi. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a ça pour le zoo. Il y a ça pour le zoo. Enfin, je vais pas me répéter, hein, mais vous avez compris la tactique. Vous avez compris le délire surtout du zoo martien. C'est génial. Je la prends et je vais la jouer direct. De toute façon, j'ai plus que deux grosses cartes à jouer. 36. J'ai 32.
Je l'ai payé déjà, oui. J'ai 32. Deux, mais j'ai deux titanes, je pourrais la jouer. J'ai tout fou. Ah oui, je suis fou là, je la joue. Il n'y a pas de prérequis, rien, on y va. Hein. 36, alors. Deux titanes, ça fait 6, il me reste plus de 30 à mettre. Je mets les 30. Boum! Le grand convoi. Alors, le grand convoi. Il y a un badge terre. Hop. Un animal de plus dans un martien. C'est un freinage aérodynamique, hein, c'est un événement spatial qu'on récupère 3000 de crédits. Freinage aérodynamique, vous l'avez entendu. Et on récupère 3 chaleurs. Hop, il y a du monde de chaleur, hein, ça, il fait très chaud. On a ensuite en place d'océan. Place sur un océan. On va le mettre à côté. Côté plante ou côté, je me suis pas encore mis là. Jamila. Après, si je pose deux plantes là, je peux déjà poser une forêt. Sinon, je pourrais pas ce tour-ci. Alors, je vais le faire. Je vais poser ici. Je récupère deux plantes. On va optimiser à fond là. Booster le tout. Et je récupère soit 5 plantes, soit 4 animaux. Ah, je prends les animaux. J'ai 6 animaux dans le zoo martien, 10 animaux dans le zoo martien. Ouais! Mon zoo martien, en un tour, il a doublé son panel d'animaux exotiques. Deux points de victoire éventuellement. Et je pioche 2 cartes aussi. J'étais complètement pas. Complètement dans mon délire de cartes à animaux que. Astéroïde de glace, ouais, pourquoi pas. En plus, des tuiles océan, c'est super, voilà, génial. Et chantier de Vesta, je vais pouvoir produire un petit peu de titane. Alors, je sais pas si on a bien vu la carte, il y a peut-être le reflet. Voilà, donc ça, c'est avant. Je vais la mettre dans ce sens-là, en fait, on verra mieux. Voilà. Et Vesta, toujours bien. Ce qui fait que, bon, ça s'est joué. Hop, maintenant, on va se régaler. On va se faire un petit. En plus, c'est chantier de Vesta, nouveau badge. C'est bon ça. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? C'est bon. Allez, viens, on est bien. Allez, viens. Viens, mais viens. On est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. Allez, viens. Je paye 5 énergies. 4 énergies, pardon. Je pose 5 et on en prend une pour faire les aciéries. Je prends 2 aciers. Et j'augmente l'oxygène de un cran. Hop, voilà. Zoo martien, on y va. 10 mégacrédits, poum, sur la table. Ah, ça déconne pas. D'ailleurs, je vais faire tout de suite le chantier de Vesta. Pour 15, hein, vu que j'ai les 15 là. Attendez, que je fasse pas de bêtises avant. Non, c'est bon. Je paye donc les 15. Je paye tout ce que j'ai. J'augmente ma prod de titane de 1. Et le badge Jovien, je l'avais pas encore, donc avec Aridor, je récupère 1 de prod, 2 méga crédits. Un point de victoire par une occasion. C'est toujours bon à prendre. À côté de cela, nous avons. J'ai pas joué de badge de science, non. Il faut les gérer immédiatement. On va poser une petite forêt pour 8. J'ai encore rien posé sur la table, donc je peux la mettre où je le souhaite. Je le souhaite ici, sur les 3 cartes. Je piche 3 cartes. Cadeau. Alors forêt égale un oxygène, un NT, bien sûr. Réseau électrique. Pour augmenter ma prod d'énergie. D'ailleurs, j'ai toujours pas réaugmenté ma prod d'énergie, donc je pourrais pas commercer non plus le tour prochain. Ou alors faut que je fasse l'impasse sur ça, c'est que c'est très con. J'ai pas pensé, je suis tellement dans mon euphorie que faut faire un choix. Sinon. Purification de titan, je peux transmuter des titanes. Alors, je vais la poser toujours pareil. De toute façon, je les montre, mais elles sont devant moi. Et le. Oh! Le cartel de Medellin! Les cartels! Les cartels, un badge de terre. Je vais pouvoir faire de l'argent avec des badges de terre. Les badges de terre, j'en ai pas joué. J'ai 1, 2, 3, 4, c'est juste qu'il y en a un ou deux là, c'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas en avoir joué tant que ça en carte qui est encore placée de face visible sur la table, mais non, ça va quand même. Oh là, c'est régalade! C'est de la régalade!
Sauf celle-là qui est, bon, elle va être trop chère, je vais pas la mettre en place. Je vais quand même la garder sous le coude pour le badge jovien, on sait jamais s'il y a moyen de faire un petit truc avec. Un truc à faire avec le jovien à la fin, hein, si ça se passe bien. Bon, j'ai zéro thune, par contre j'ai encore de la chaleur à dégager. Donc je vais prendre 10, 16, ça fera deux niveaux. Est-ce que j'ai un multiple de... Non, non, il m'en manque un. Donc ça sera 16. Ça sera 16 pour deux niveaux de chaleur. Hop, je prends 2 NT. Hop. On est bien, quand même bien. On est très très bien là. On est très très bien. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, je ne pense pas. Est-ce que je peux convertir tout mon acier en quelque chose? Non, il n'y a rien qui se construit d'acier. Non, bah, ça sera la fin du tour. J'ai plus une thune. C'est la fin du tour. Fin du tour. Prod 14 plus 27, ça fait du 41. On voit que ça commence à snowball. Voilà, de l'acier plus 2, je suis bien. Là, je peux prendre n'importe quelle carte d'acier, je vais la payer quasiment intégralement avec de l'acier. Bien sûr, l'énergie qui vient de la chaleur. Là, on a 6 en énergie. Il faut vraiment que je trouve ce petit plus 1 de prod d'énergie, ça fera du bien. Et là, je prends 6 en chaleur aussi. La navette n'est pas partie. On décale tout de 1. Hop, hop. Ça devient intéressant partout, c'est ça le problème. Voilà, là maintenant, il faut que je commerce par contre. J'ai pas le choix ce tour-ci. L'effort mondial de terraformation, on va pas le faire sur Vénus parce qu'il y a une carte à piocher. On va pas le faire en océan, quoique. Les chaleurs, ça commence à monter vite. Les plantes. Je vais pas le faire ce tour-ci, ah, je vais faire l'oxygène. Même si je crois qu'il y a un manque à gagner, mais on va le faire comme là-bas. Et on est bon, 8e génération, on est parti. Et on tombe sur quoi? Tiens, c'est pas dans le bon sens. Un laboratoire médical. Laboratoire médical, ça peut être intéressant pour le. Pas de science, c'est encore vite fait. Par contre, prod d'argent, même si c'est du. Je peux le payer cash, pas cash, avec mes ressources d'acier. Si j'ai rien d'autre, ça peut être très intéressant, c'est toujours de l'argent en plus. Des badges de construction, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec ça fera 8, ça fait 4 de prod, c'est pas mal. Soleta, c'est très intéressant, mais pas à ce stade-là de la partie. Zone de Mohol, ça peut être bien. Surtout que ça peut me permettre de me placer ailleurs, parce que je me suis mis dans un coin, je suis coincé là-bas. Après c'est peut-être un peu tard, mais c'est pareil, l'acier j'en ai plein, donc ça peut se faire. Et les biodômes de Freyja. Ouh, je pense que j'ai vu des papates. Nécessite que Vénus ait atteint 10%, on n'y est pas encore. Ajouter deux microbes ou deux animaux sur une autre carte de Vénus. Les Zomartiens n'est pas une carte de Vénus. Dommage. Sinon je l'aurais pris. Bon, je prends pas ces deux là, c'est sûr. Est-ce que je prends les deux? Je pense que je vais prendre les deux. Je pense que je vais prendre les deux. Je mettrai la zone de Mohol ici, par exemple, ça peut être bien. Histoire d'avoir un. Voilà. Plus de latitude. Ou alors ici ou là. Je prends les deux, de toute façon. Je paye 11, il me revient 5. Le cartel, faut le jouer maintenant. Les cartels. Les cartels. Le cartel, on joue maintenant. Trop bien. Pour 8. Pour 8, un petit cartel. Ça fait un animal de plus sur le zoo. Alors, j'ai pas mis. J'oublie toujours un truc. Voilà. Maintenant, il faut jouer de la carte ici. Il y aura un petit voyage à faire quand même. Prod de plantes, c'est bien. J'ai envie de voyager sur Miranda. Je vais payer 3, je vais voyager sur Miranda. Pour récupérer 3 animaux, parce que je suis fan de ce zoo.
Je sais que ça sert à rien, mais ça m'éclate. Total. Je trippe sur ce zoo martien. C'est une de mes cartes préférées du jeu, c'est con. Alors, on y va d'ailleurs, hein. 14. On prend les 14. 15, hop, je rends 1. Je rends 1. Et maintenant, le réseau électrique pourrait me permettre de pallier à cette énergie-là. Il faut que j'y aille, mais 18, combien je vais gagner? Je vais compter celle-là avec. Je vais pas gagner tant que ça, je vais gagner 2, 3. Je vais gagner 3. 4, je vais gagner 4. Bon, 18 pour 4, c'est quand même toujours mieux que. Mais je les prends. C'est quand même toujours mieux que 11, que 44 pour 4. Hein, donc c'est bon. Plus 4, je suis à 10. Voilà, comme ça, moi, je pourrais tout le temps financer mes voyages. Il me reste 23. Est-ce qu'on fait le 23? Astéroïde de glace à 23. Pourquoi pas? Protection solaire géante. Peut-être pas encore tout de suite. Ça va venir après. Voilà, j'ai mes cartes avec de l'acier. Je vais faire. Je peux cramer les deux, je crois, 20 et 13 avec tout ce que j'ai. Je vais faire la zone de molle. Pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'avais 10 aciers tout pile. Elle est gratuite. Enfin, gratuite. Pas gratuite, je la paye en acier. Hein. On augmente la prod de chaleur de 4. Je passe à 10. Ça, je vais le mettre ici. Et je place la tuile de la zone du môle. Et ça, c'est uniquement sur une zone réservée à un océan. J'arrive à me mettre là pour prendre une plante. Ouais, on va se mettre là. Ça, on va récupérer une plante au passage. Hop. Derrière, on va jouer. Il y a un laboratoire médical. Pour 13. J'ai plus d'acier par contre, mais je vais les payer. 13, il me reste 10 encore derrière. Alors ça augmente la prod de méga crédit de 1. Par doublette de badge. Bâtisseur. Je sais plus qu'on appelle ça. Construction, page construction, y compris celui-ci. Donc 1, 2, 3, 4. Vous avez compté tout à l'heure. 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 4. Ça passe de 14 à 18. Un point de victoire au passage. Et je pioche une carte. Parce que c'est un badge de science. Donc je paye une ressource science pour piocher une carte. Une carte avec des piafs. Des petits piafs. Clairement, ces deux cartes-là, c'est assez peu probable que je m'en serve. Oiseau et purification de titan. Par contre, ces deux-là vont me servir très prochainement. Quand je dis très prochainement, le très est très important dans la phrase. Parce que c'est vraiment les deux cartes qui m'intéressent là. Ces deux-là. Hop, hop. Les aciéries n'ont pas tourné, elles ne tourneront pas ce tour-ci. Il me reste 10 et j'ai pas des masses de choses à faire. Si je vends une carte, je peux faire une centrale, mais il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien. La chaleur, pardon. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. Je paye 8 de chaleur. Il manque encore 1, c'est dommage. 8. Hop, la chaleur. Hop, voilà. Là, j'ai vraiment plus rien à faire. Il manque 1 de chaleur pour faire quelque chose d'intéressant derrière. Tant pis, tant pis. Phase de. Nous sommes donc à 18. Plus 28. Ça fait 46. C'est ça, 46, on va mettre 40, plus 5, plus 1, 46, on a 2 ici, on a 1 ici, on augmente 3 plantes ici, l'énergie de la chaleur, c'est ce qui n'est pas utilisé, alors là on a 10, mais je vais mettre 2 fois 5, ce sera plus pratique, et là on a 10 par contre, on va initier 10 oiseaux martiens. On bouge tout d'un cran. La flotte est revenue ici. Et on peut augmenter d'un cran quelque part. Ça sera la chaleur. 9e tour.
Pas sûr que la chaleur soit le bon truc à monter d'ailleurs, mais j'ai vu ça, je peux pas remonter un océan plutôt, mais ça m'embête parce que c'est pas, j'y gagne pas. Je vais le mettre là, je vais le mettre ici, ouais. Voilà, on va neuvième tour. Suis confiant. Chaque fois que je dis ça. Ça marche pas. Usine de neutralisation. Plus un cran de Vénus. J'ai moins 2 pour les Vénus. Oh, oui, celle-là, on va la prendre. Mais raffiné. J'ai les 3 badges, j'ai ces 2 points de victoire. Je suis confiant, alors je vais la prendre. Soutien à la recherche. Alors, ça, c'est une carte tourmeuille. Tu vois, il n'y a pas des masses des cartes tourmeuille, mais de temps en temps, il y en a une qui sort. Ah, bah, encore une. Voilà, c'est aussi une carte tourmeuille. Revendication du terrain en solo, c'est absolument inutile. Et le raid pour voler des trucs, non, bah, aucun intérêt, en solo c'est pareil. Donc on va pas prendre ces deux-là. On va prendre ces deux-là pour 6. Hop. On n'est pas encore à 10%, mais je vais vite, on va vite y monter. Les mets raffinés, je peux limite les jouer maintenant, mais c'est pareil, c'est une carte de fin de partie, ça. On ne va pas dépenser 8 tout de suite. Alors je vais les mettre en dessous ici. Et là, ça peut être intéressant, sans doute, de partir un jour sans retour. J'ai beaucoup de choses à aller chercher. Europe pour de la plante. Alors l'énergie de Callisto, non. Triton, ça peut être bien, mais je vais attendre encore un coup. Donc ça sera Europe. Je vais aller sur Europe. Je paye 2 énergies, 3 énergies, pardon, pour aller sur Europe. Hop, donc j'augmente ma prod de plantes de 1. J'y gagne 1 méga crédit de bonus colonie. Ouais. Un sou, c'est un sou, comme dirait Will Turner. Je crois qu'on va balancer de l'astéroïde de glace là. Avant, on va faire un coup d'aciérie pour 4, parce que là, il y a des choses à faire intéressantes. Je paye 4 énergies. Aciérie, c'est 2 aciers. Et c'est un niveau d'oxygène. Je prends un NT. Bonus, un niveau de chaleur. Je prends un NT. Hop. Tant qu'on y est, la chaleur, je vais payer 16. 12, 13, 14, 15, 16. On monte de 2 niveaux. Moins 8. 2 NT. Ça snowball. Ça snowball, pas snowball. Voyons. Nous avons ensuite un astéroïde de glace à jouer. Astéroïde de glace 23. On va payer un peu de titane. Donc 2, ça fait 6. 2 titanes, ça fait 6. Je paye plus que 17. 17, je paye 20. Moins 3. Hop. Et je peux jouer. Je peux poser 2 océans. 2 océans. On va en mettre à 1. Il y a de la plante à poser. Hein. On va mettre un ici. Pour gagner une plante de bonus de placement. Couche à 8. Et je gagne 2 méga crédits. Je pose à côté d'un océan. Et je pense que je vais poser mon deuxième océan. Ah, je gagne un NT parce que je pose un océan. Je vais poser l'autre ici pour gagner une plante immédiatement. Pour gagner 4 méga crédits de placement à côté de 2 océans. Et je regagne un NT. Et puis c'est un événement spatial. Donc je récupère 3 méga crédits. Je vais poser 5, récupérer 2. Et récupérer 3 de chaleur. Je suis à 7 de chaleur. C'est dommage. Un après. Toujours un après. Il reste quand même pas mal d'argent. C'est bien intéressant. Nous avons maintenant à jouer. On a prévu la protection solaire géante. Je vais toujours mettre un petit peu de crème solaire, c'est important. C'est une carte badge Vénus. Je paye 2 de moins. Ça fait que je la paye 25. 25. Hop. Et je peux augmenter Vénus de 3. 1, 2, 3. Ça me permet de récupérer une carte au passage. Un labo d'Atalanta Planeta. Planita. Planita. Et j'ai monté Vénus de 3 crans, donc je prends 3 NT quand même, c'est important. Donc ça s'est posé.
Par contre, c'est quoi ça? Il faut 3 badges de science, je pense que je les ai. 1, 2, 3, je les ai tout pile. Et ça fait quoi? Il y a un badge Vénus, je peux le payer moins cher, mais si 3 badges, ben, piocher 2 cartes et gagner 2 points de victoire. Bon, à voir plus tard. Je vais d'abord voir ce que je peux d'autre. Ah, il y a l'usine de neutralisation. Très intéressant de jouer maintenant dans le sens où badge Vénus, je paye 2 de moins, 10%, on est à 12, donc on est bon. Je paye 5 en fait pour ça. 5 pour ça, c'est bien, c'est un niveau de Vénus. 5 pour un niveau de Vénus, on le prend tous les jours. 5 plus les 3 que j'ai payé tard pour réserver. Non, j'ai eu gratos, je crois, celle-là. Non, je l'ai payé? Si, j'ai dû la payer. Un niveau de Vénus, ANT. Et si je prenais encore un niveau de Vénus maintenant, je gagne 2 ND pour le prix d'un. Intéressant. Donc ça, pas tout de suite. Ça, c'est du point, pas tout de suite. Et ça, on avait dit que c'était pas. Ça ne tentait pas des masses. Je vais jouer les eaux martiens maintenant aussi. Je récupère 14. Hop, je prends 15, je rends 1. Et pour 15, on va mettre un cran sur Vénus pour gagner le bonus NT. Donc ANT plus le bonus. On arrive à 40, ça devient vraiment intéressant. Alors c'était pas fini, je crois qu'il y avait des fourrés à mettre. 4. Et 4 plantes, 8 plantes. 8 plantes, c'est une forêt. Soit je pars là, soit je pars là. Je vais partir là, je vais récupérer une plante au passage. Je récupère une plante de placement au passage. 4 méga crédits, parce que je suis contigu à 2 océans. Voilà, je prends 5, je rends 1. Et c'est une forêt, donc oxygène et NT, bien entendu. Bon, ça déroule là, hein, c'est bien. 16, il me reste 3 tours derrière. Vous le sentez comme moi là? Ça sent bon, hein. On va pouvoir fixer les points de victoire derrière. Je me demande même si je vais pas jouer ça maintenant pour piocher 2 cartes en fait. On va le faire pour 8. 8, badge Vénus, donc moins 2. Hop, badge Vénus, donc je peux mettre une ressource science ici. Et je pioche 2 cartes. Alors, je vais carrément décaler ça. Ici, hop. On va se faire de la place, je mettrai peut-être des cartes encore là à droite, je pense qu'on oui, on les voit facile, c'est bien. Je pioche 2 cartes. Ouh, un badge de terre. Oh, si je l'avais dès le début celle-là. Je vais la jouer tout de suite. Hein. Je peux pas hésiter. Et pourquoi je jouais mon Zomarcy avant? Parce que de toute façon je pouvais pas jouer la carte sinon. L'usine de carburant. Oh oui, bien. Oh oui, très bien. Putain, les cartes superbes là. Elles me plaisent beaucoup ces cartes-là. Usine de carburant, je paye 3 aciers, je peux la jouer direct, je baisse un niveau de prod d'énergie, c'est vraiment dommage. J'augmente mon niveau de prod d'acier, de titane pardon, de 1, et de méga crédit de 1, je passe à 19. Ça, c'est joué. Et derrière les bureaux sur Terre, pour 1. Moi je le paye tous les jours. Et ça me fait un badge de terre. Un animal de plus. Je suis à 15 animaux dans mon zoo. 15! Ça, c'est un gros zoo, là. Je vais augmenter le prix du billet d'entrée. Je paierai moins 3 les cartes terre que je jouerai. Ça, c'est un truc à garder ici. Je vais mettre là. Enfin, je vais, à force, je vais plutôt inverser les cartes comme ça. Voilà. Et les cartes qui s'activent ici. On va décaler comme ça. Reste 7. J'ai fini mon tour. Phase de production, l'énergie devient de la chaleur. 19 plus 41, ça fait 60. 20 et 40, 60. 2 aciers. 2 titanes. 4 plantes. 9 énergies. Et 10 en chaleur. On reset tout ça. Donc tu reviens ici. Le titane est au max. On peut monter un critère gratos. Il nous reste 3 océans. Il y en a un qui va se poser là. Il y a peut-être des cartes qui vont tomber qui vont me faire poser plusieurs océans. Je vais pas monter les océans maintenant. La chaleur en 3 tours, je pense que ça peut facile, facile même large. Les plantes, ça va passer. On va mettre Vénus.
Les plantes, ça passera peut-être. J'aurais peut-être besoin de mettre un peu la main en porte-monnaie, mais ça va, des ressources, l'argent, j'en génère pas mal. Et puis les forêts, c'est de toute façon bien pour les points de victoire à la fin. Chose que nous allons essayer de soigner. Dixième tour, je rappelle, on joue en 12 tours. Je tente par tour, génération, bien sûr. Qu'avons-nous en main ce coup-ci? Quand une cité est placée sur une zone volcanique. Il y a des zones volcaniques ici. C'est les zones en noir foncé comme ça. Bon, on verra. Ferme de Noctis. Pourquoi pas? Ça va pas se payer très cher. Une plantation, bon, moins cher, ça se prend. Énergie tectonique, je vais pas vous faire la blague de la tectonique, mais c'est plus la peine. Alors ça potentiellement pour les points de victoire, même si c'est loin, je vais y aller petit à petit. Donc bon, ouais, ça peut valoir le coup. Ouais, on va la prendre. On va la prendre. L'énergie tectonique, on va pas la prendre. Ferme de Noctis, non. Plantation. Une forêt moins chère. Une forêt moins chère. Une forêt à 18 au lieu de 23. Ouais, allez, je la prends aussi. Tu prends ces deux-là. On va commencer à songer un petit peu pour l'histoire quand même. Je paye mes 6. Je risque quand même de les jouer assez rapidement. Je vais commencer par les aciéries. Je paye 4 d'énergie. Les voilà. Je récupère 2 aciers. Je monte à chaleur de 20. ANT. Toujours. Je vais commencer par ça. La chaleur, 10, 12, 14, 16, 2 niveaux. Arrive à moins 4. Arrive à 44 points de victoire. Enfin, 44 NT, pardon. Faut valoriser. Alors, je vais dépenser quand même 3 énergies pour aller commercer en titane. Il est full. On va en profiter. On prend 5 titanes. Allez. Et si je tombe sur une grosse carte événement derrière, ça peut être bien. Grosse carte de titane. On a derrière plantation. Faut que je mette les deux océans. Il va arriver là. En deux tours, prochain tour, je suis là. Il y a un océan de plus. Non, ben là, j'arrive à un stade où il me faut des cartes. J'ai pas de cartes. Bon, bah, je vais jouer sur Elysium Mons. Ça, je le paye 15. En réalité, j'ai 5 aciers, donc je le paye 10 de moins. Je ne paye plus que 5. Je perds un niveau d'énergie. Je gagne 2 niveaux, donc là, 21. Voilà, donc il y a un deuxième, je vais le mettre à côté. Il y a 21 ici. Ça devient beaucoup. Et je place une cité, je vais la mettre ici, ce qui me fait gagner 2 titanes de plus. Hop. Et c'est un badge de cité, j'avais pas encore eu de badge de cité. La plantation, j'ai limite envie de la mettre là, en plein milieu, ou alors là pour avancer tranquillement, parce qu'on va forcément avancer. Si la cité là, ça peut être. Ouais, au pire, je la mettrais là. Il faudrait que je mette une cité ici. Mais là, c'est pareil. C'est intéressant, il y a plein de trucs à faire. Ouais, je paye 15. Je paye 15 et je vais placer ma petite. 15, 15 de prix de la carte. Et je vais placer une forêt ici. Ça me fait donc récupérer 3 plantes. Je pose à côté de l'océan, donc 2000 crédits reviennent dans ma besace. J'ai posé une forêt, j'augmente ça de 1. J'augmente ça de 1. Voilà. Si je n'ai pas fait le zoo martien non plus. Alors, les points ou les golds? Je vais payer 8 pour faire une forêt encore. Ici. Donc, je récupère une forêt de placement. Une plante de placement, pardon.
Et c'est une forêt, donc oxygène, NT. Le zoo martien, c'est 15. Je ne vais pas les prendre parce que je vais m'en servir pour financer ça à 15, à un niveau de Vénus. Et là, ben, tout ce qui me reste, multiple de 45. Non, je suis à 42. Dommage. Je vais payer 30 pour faire deux niveaux de Vénus. 22, 24. Hop, 49. J'y suis presque. I'm really close. Je peux pas jouer ça quand même. Ce serait honteux. Ça serait honteux. Il manque quoi? Si je revends deux cartes, je peux refaire encore un niveau Vénus, mais non, on va attendre. Fin du tour. On a la production. L'énergie passe en chaleur. 22 plus 49, donc ça fait 71. 71, ça commence à être la fête du slip, niveau ressources. 40, on va trouver 30 encore. Plus 30, plus 1, 2 aciers, 2 titanes, 4 plantes, il manque un, 8 énergies, je viens bien trop, et 10 chaleur. On va être assez stupide, c'est bien. La flotte commerciale revient, tout monte d'un cran, à qui c'est attendre. Ça se reset, et on a l'effort mondial de terraformation qui va passer par Vénus, hop, une fois de plus. Onzième, donc avant-dernière. Faire comme d'un côté de l'autre. Qu'est-ce qu'on a? On a un astéroïde, ah ben voilà, c'est ce qu'on voulait, d'astéroïde riche en azote. Ça peut se payer en titane, j'en ai plein, donc ça potentiellement 31. Vous voyez, c'est ça peut être bien ça. Il manque la prod de plantes de 1 ou de 3 si j'ai 4, ou de 4 si j'ai 3 badges, mais je pense pas avoir les 3 badges de plantes. Non, je dois en avoir 1, en tout cas, c'est ça, j'en ai 1. C'est pas la peine. Enfin, c'est pas la peine. C'est toujours bien pour avoir 2 NT et puis un niveau de chaleur, pourquoi pas. La sonde solaire. On pioche une carte par badge de science. C'est un événement spatial, ça peut se payer. À voir, franchement. Alors ça, c'est une carte Tormoy, donc voilà. Tant il y en a une qui sort. Les prédateurs. C'est cool, les prédateurs, mais pas... Non, je vais pas me faire chasser mes propres créatures du zoo martien. C'est... On prend pas. Et des régolithophages. C'est à ce stade-là du jeu, on cherche pas. Alors, la sonde solaire... Pour faire piocher des cartes, c'est un point de victoire. Je vais prendre les deux quand même. Je me sens tellement bien dans la partie que je vais prendre les deux. Je paye 11 moins 25. Et je vais les jouer assez vite aussi. Il y a deux animaux à aller chercher sur Miranda pour mon délire de bestiole. J'ai très envie. Comme d'hab, j'ai très envie. Mais avant, il y a du niveau de chaleur à prendre. Donc, hop, j'ai 16 tout pile. Pour faire deux niveaux, 8 et 8. Hop, ça fait deux crans, 51, ça me permet de bloquer un océan, qu'on va poser ici, un océan égale à NT, ici placement bonus de 2 plantes, je gagne 2 méga crédits aussi, parce que je suis contigu à un océan, ça c'est pas mal, j'ai envie de placer une cité, hein. Là c'est parfait pour mettre une cité, j'ai plein de titres. Ici, alors ça c'est pioche une carte par badge de science. Ah, par 3 badges de science. En ne comptant pas celle-là, bien sûr, je suppose. Non, y compris celui-ci. Ah, y compris celui-ci. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est dommage. Un badge pris, j'aurais pu piocher 2 cartes. Là, je vais en piocher que une. C'est vraiment dommage. J'ai pas moins d'avoir un badge de science avec des cartes en dessous que je me suis mis de côté. Non, il n'a pas. Non, il n'a pas. Bon. Bon, je vais commencer par ça alors. La Syrie d'abord. Je n'aurais pas besoin de la Syrie. Juste pour de l'acier. Est-ce que j'ai besoin d'acier? C'est peut-être pas bien d'utiliser de l'énergie pour ça. Je vais chercher les bestioles par contre. Ouais. Je paye 3. Aux énergies et je vais faire un tour sur Miranda pour récupérer deux animaux pour le zoo.
Je vais jouer l'astéroïde riche en azote. Là, je vais cramer. Alors 31, ça fait 10 titanes, c'est 30. Donc 10 titanes, il m'en reste un. Il me reste un méga crédit à payer. Ça me fait augmenter ma prod de plantes de 1. Ça va augmenter mon NT de 2. Ça va augmenter l'acheur de 2. Donc ça me refait augmenter mon NT de 1 par déduction. Par contre, c'est un événement spatial. Donc je vais récupérer 3 chaleurs. Et je vais récupérer 3 méga crédits. C'est un événement. Mon cinquième événement. Par Luc Beston. Nous avons ensuite sur cette sonde solaire, c'est dommage de cramer ça pour une carte à piocher. Avec ça, ça me fera 2. Attends, je vais pas attendre 36 ans, sachant que j'ai plus de cartes. Où est-ce que je peux trouver une carte? Éventuellement là, je peux piocher une carte ici. C'est pas perdu. Si je fais une petite grimpette par là. On va le faire. J'ai 8 plantes à payer. Alors je vais le faire. 8 plantes. Hop, hop, hop. Pour placer une forêt. Hop, on va la mettre là. Je vais récupérer 4 méga crédits de placement à côté de tuiles océan. 5. Hop. Ça fait un oxygène à NT. On est d'accord là-dessus. Et j'ai une carte à piocher ici. Bon, il faut le faire pour tomber sur un badge de science. C'est pas une carte rouge, mais bon. L'espoir, il paraît que ça fait vivre. Ça peut être parfait pour une cité ici d'ailleurs. Faire des points, on va vraiment max les points. Je paye 25 pour ma cité. Que je calcule quand même que je fasse pas trop le con. Parce que j'ai pas encore gagné. Hein. Faut vraiment que je. Enfin, j'ai pas gagné, mais c'est pas loin. Mais je le tente quand même. YOLO, 25. Passer une cité ici. Juste pour piocher une carte. Il faut cher la carte. Ça revenait moins cher de payer 17 sur Miranda pour une carte. Et un animal en plus. J'ai payé mes 25. Je récupère 2. Parce que je suis à côté d'un océan. Et je pioche une carte. Et là j'espère que. Oh, c'est une carte turmoil. Elle compte pas. Et là j'espère que. Oh, c'est pas un badge de science. Mais je peux encore piocher. Et surtout, c'est un badge de terre. Un animal. Ah, super. Je l'ajoute tout de suite pour 4. Non. Badge de terre. Bureau sur terre, moins 3. Je paye 1 pour la jouer. Je la mets là. Je perds 1 de prod de méga crédit. Je l'ajoute tout de suite. Et attendez, je rajoute un animal. Ils sont 18 dans le zoo martien. Comment ça sort du monde? Réseau professionnel, consultez la première carte et achetez-la si vous avez envie. Soutien de la planète sœur. Terre, un animal. Je la prends pour 3. Il est fou. Et c'est cool parce que je la paye. Alors je m'en fous de ça, hein, c'est l'animal qui me plaît, vous avez bien compris. Je la paye, c'est une carte Vénus. Je la paye 2 de moins, c'est une carte Terre, je la paye 3 de moins, je la paye 2. Je la paye 2. Pour avoir. Une prod de 3000 crédits. En un jouant un tour avant la fin, elle est presque rentabilisée quand même. Plus 3000 crédits, 14 et un animal de plus. Surtout quel animal, donc elle va être rentabilisée. Bon, c'est quand même dommage de ne pas avoir pioché. Est-ce que je peux piocher? Je peux encore piocher là ou là, mais ça devient serré. Alors, les océans, je peux potentiellement mettre. Je vais en mettre là de toute façon. Je vais le payer maintenant pour 18. Je paye 2. Je paye 20, pardon, reviennent 2. Hop, donc je récupère 2. Continue un océan. Je récupère un titan. Et un océan sérénité. Voilà. Bon, ça je m'en fais pas, hein. ça va monter facile le tour d'après. Je peux le faire maintenant avec les aciéries d'ailleurs. Je vais acheter une ville ici alors. Pour 25. Hop. Je récupère 2 plantes de placement. 2 plantes de placement. 4 méga crédits avec les océans autour. Et c'est une cité en projet standard. Donc j'augmente ma prod de méga crédits de 1. Il me reste 20. Là, j'ai pas encore joué mon zoo martien, je vais le faire maintenant. Donc 19.
Il y a 19 animaux. En genre 1. Je suis encore un peu large niveau thune. Je vais mettre une dernière flaque d'eau là-bas, mais j'ai. Enfin, ça. Non. Je vais pas mettre une flaque d'eau, parce que si je tombe sur une carte événement avec une flaque d'eau à placer, ce serait dommage de ne pas la mettre. Je suis curieux, je vais jouer la sonde solaire. Ouais, allez, je vais faire un max de points, je vais mettre là. Je vais refaire une ville. 25. Ici, je vais récupérer deux plantes. Je récupère deux plantes. J'augmente ma prod de méga crédit de 1. Et je récupère 4 méga crédits de placement à côté de deux océans. Hop. Il me reste encore 18. Et là, bah, ça va être du point, du point, du point, du point, du point. Ça va être ça. Point, 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 point. À fond. Fin du tour. Production. L'énergie devient de la chaleur. 26 plus 57. Sortez le calculateur. 57 et 20, 77 et 6, 83. 83, 60. Hop. Ouais, 83. Qu'on rajoute 80 et 3. Les aciers, 2. Les titanes, 2. 5 pour les plantes. 7. 8, pardon. 8 pour l'énergie. 10 pour la chaleur. On reset les cartes qui se resettent. Ça revient. Hop, 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 hop. Plus tellement d'intérêt à commercer là. Et puis l'effort mondial de terraformation va se porter sur Vénus. Ce sera le dernier parce qu'à la fin du 12e tour, il ne sert à rien pour déterminer si on a gagné ou pas. On le sait déjà dans notre tête que c'est gagné, mais on va quand même jouer jusqu'au bout. On n'a rien oublié. 12e génération et dernière. Et nous avons de l'herbe. Pour finir, on a de l'herbe. Trois plantes éventuellement. Colonie marchande, bah y est temps les gars, y est temps. Lorsque vous commercez, faites d'abord pour le statut des colonies de rein, c'est un petit peu tard. Les petits animaux. Mouais. Algarctique, c'est balèze, mais pas au dernier tour. À moins de devoir poser 9 océans au dernier tour. Bon, moi, je vais rien prendre, hein, c'est simple. Là, il y a vraiment mais rien à prendre. Donc j'ai attendu pour rien avec ma carte. Pour rien, peut-être pas. Je vais commencer par le réseau professionnel. Petite strat, petit loup. Toujours commencer par les pioches de cartes. Ça vous permet peut-être d'orienter votre tour différemment que ce que vous aviez pensé. Je pioche l'usine sidérurgique. C'est de la scierie en un chouïa moins fort. Je la prends pas, c'est plus, y a plus lieu de le faire. Bon, ben c'était pas glorieux. Je ne rajouterai pas. Ah, The Martien, je crois que je vais aller chercher un 20e sur Miranda. L'énergie sert plus, de toute façon, l'énergie de notre avenir en plus. Bon. On va faire quoi? On va faire une petite forêt ici, c'est bien. Pour 8 plantes. Hop, on va récupérer 6, 3 océans à côté. Oxygène, NT. Voilà, l'oxygène à fond. C'est rare que ce soit celui que je termine en premier. Bon, j'ai bien attendu, j'ai temporisé un peu partout. Et en parlant de ça, 16 chaleurs, 2 niveaux de chaleur. Hop, hop, il me reste un 2 NT, il me reste un niveau de chaleur. Il me reste un Vénus, un niveau de chaleur et un océan. Ça me paraît jouable. Est-ce que j'ai un moyen de piocher des cartes? On va le faire. Tant pis, la sonde solaire, on va le faire maintenant. Pour 9, je paye 3 titanes. C'est un événement spatial, cette carte. Je récupère 3 mégas de crédit, je récupère 3 de chaleur. Et donc, c'est un badge science. Alors, je vais dépenser ma ressource science qui est assez sur la conférence d'Olympus pour piocher une carte. Et à côté de ça, je pioche une carte par trio de badge de science. On avait bien compté tout à l'heure qu'en comptant celle-là, ça marche pour cet événement-là. Une, deux, mais j'en suis qu'à 5, hélas. 3, 4, 5. Voilà, je ne pioche qu'une carte. Ouf, il a failli se faire la malle, celle-là, je la prends. Un point de victoire quand même à la fin de la partie, hein. Ça se prend. Et un badge de science maintenant. Un badge de terre! Yes!
Mine de titane, ça sert plus à rien. Mais j'ai. Ça me sert vraiment à rien en plus. Là, c'est que dalle. Je vais la mettre là. Un point de victoire. Badge de taille. Donc je le paye 3 de moins. Je ne paye plus que 6. Alors on y va. 6. J'y vais, c'est un animal. On le fait pour l'animal. Une ressource science ici. Et mon zoomartien. Va niveau sur le zoo martien. On a mis le gorille. Qu'est-ce que je fais que ça? Défausser une carte de votre main puis piocher trois cartes. Tous vos adversaires piochent une carte. C'est que je n'ai même pas regardé ce que ça faisait. Je m'en foutais tellement. Je voulais juste ça. Défausser une carte de votre main. On va défausser ça. Non, pas ça. C'est des points. Bah, la mine de titane. Parce qu'elle ne me sert vraiment, vraiment à rien du tout. Et j'en pioche trois derrière. Donc ça, c'est bien. C'est un point de victoire pour après. J'ai un sou à la mine de titane et j'en pioche 3 derrière. Et là, on espère avoir des badges de terre. Avion de ligne, un point de victoire pour 11 points. Je crois que je peux faire mieux en point de victoire. Ah, ça, bah, c'est deux cartes turmoil ici, ruée vers le rouge et festivité publique. Donc, ça sera deux autres cartes en remplacement. Nous avons les arbres, un point de victoire, des plantes. Ouais, conscription. Il y a un badge de terre. Je suis obligé de la prendre. Je suis obligé de la jouer. Je perds un point, mais je suis obligé de la jouer. Compte moins 16 pour la prochaine carte. C'est-à-dire que je peux potentiellement avoir une purification de titan à 5. Je suis obligé de le faire pour contrebalancer ça. De toute façon, j'ai plus de moyen de piocher de cartes, sauf si j'arrive jusque là ou là, mais je vais pas le faire. Ah ouais, je suis obligé. Conscription. Allez, j'y vais. 5, moins le bureau sur terre, ça fait 2. 2, je paye 2. La prochaine carte coûte moins 1. Un animal de martien. Hop, prochaine carte à moins 16. On va jouer la purification de titan. 21 moins 16, ça fait 5. On paye 5. Hop. Juste pour 2 points de victoire. Je jouerai même pas ce truc-là. Parce que je vais pas changer des flotteurs maintenant. Enfin, j'ai pas de flotteur à mettre donc. Je la place ici, ça a peu d'importance. Voilà, comme ça. Ça, c'est réglé. Alors, on va mettre pour 8 points. Il y a 2 points de victoire à se faire. Alors, à la fin, on verra. Il y a peut-être mieux à faire sur le tableau. On va d'abord finir par terraformer. J'ai vraiment envie de craquer, d'aller chercher le petit animal sur Mira, quitte à acheter même une colonie. Pour arriver à 23 dans le zoo martien. C'est con. C'est très con. Je peux tellement faire plus de. Enfin, je peux faire plus de racler plus de points autrement, mais je vais le faire. Le pire, c'est que je vais le faire. Là, j'ai une forêt à mettre aussi. J'avais quelque chose pour jouer une forêt. Non. En fin de partie, je pourrais. 5, 6. Si je joue les arbres, je pourrais pour 13. Il manque deux plantes. Deux plantes. Bon, ouais, je vais déjà payer mon niveau de chaleur à 14. Donc, 14 mégacrédits. On finit avec la chaleur. Il me reste Vénus là-bas pour 15. Hop. Voilà, comme ça maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser. Donc là, la partie, les petits loups, la partie est gagnée. Maintenant, on va essayer de faire des points. Pour voilà. Un score pas trop vilain. Mais on fait des points. Est-ce que le plus important dans cette partie, c'est pas d'avoir le meilleur zoo martien possible? C'est ça le mieux. On va faire un zoo. Néanmoins, je veux vraiment mettre une forêt ici, parce que c'est une forêt qui va valoir 3 points. Un point pour la forêt et un point par cité contiguë. Donc les arbres à 13, par exemple, ça m'intéresse bien, moi, ça. Non, j'ai vraiment envie d'aller chercher Miranda. Alors, je vais les chercher pour 17. Je vais construire une colonie. Il va le faire. Le misplay, en fin de partie, le fait quand même. Il ose le faire. Je me place ici. Ce qui veut dire que je vais piocher une carte dans ce que je vais faire après. C'est vraiment misplay à fond. Mais ça, c'est la façon de jouer Jacques Seyard. Le feeling. Il n'y a que ça de vrai pour se planter.
Je récupère un animal, du coup, un bonus placement. C'est tout. 17 pour un piaf. C'était le perroquet, j'avais pas encore le perroquet dans ma collection. Et je paye 3 énergies pour aller sur Miranda. Et je gagne un animal 23 MJ. Hop. The Last Shot. Enfin, The Last Shot version Chicago. Parce que version London, personne n'en parle. Et bref, revenons-en à Miranda. Je suis à mon 23e animal dans mon zoo. Il me reste 51 méga crédits plus les 23. Et j'avais dit que je pouvais piocher. Oui, j'ai pas pioché ma carte de Miranda, mon bonus de colonie. Parce que je suis allé commercer, mais j'ai pas pioché ma carte. Nécessite deux badges de terre, gagner une flotte marchande, ça sert plus à rien. Je peux le payer en titane, il me reste un titane, on va payer un titane. Alors, il me reste 15 à mettre, moins 3 c'est un bureau sur terre. J'avais dit quoi? J'avais dit bah, moins 3, ça fait 12 à payer. On va aller payer les 12. Je paye 20, ils me reviennent 8. Et toutes les cartes coûtent moins 1, mais on s'en fout à ce stade-là du jeu. On savoure. Et un animal de plus. Bon, à côté de ça, j'ai une flotte marchande, mais je vais même pas la mettre, je crois. Je vais la mettre pour la postérité. Je suis content, j'ai gagné une flotte marchande que je vais même pas utiliser. Je paye tout ça pour des petits bijoux. Je peux encore commercer, hein. Le pire, c'est que je peux éventuellement commercer. Je peux peut-être aller choper une petite plante. Allez, on le fait. Je paye 2 d'énergie, je vais quand même envoyer commercer sur Callisto. Bon, Callisto sur Europe, pardon. Et je récupère une prod, une plante. Prod de plante plus 1. Et 1 méga crédit de bonus colonie. Bah, ça c'est bien. Maintenant, bah, c'est. Alors là maintenant, je pense que je ne peux pas faire plus en zoo martien. Je suis à 24, je ferai pas plus. Max les points maintenant. Maintenant que j'ai fait mes conneries de zoo martien, donc je max les points. J'ai 2 points faciles à faire pour 8. Je vais les prendre direct. 8. Les mets raffinés pour 8. Hein. Voilà. C'est bon. Hop, merci. 2 points easy. Maintenant, j'ai une prod de plantes de 6. J'ai une plante en stock. Là, c'est vraiment intéressant que j'en chope au moins une petite quelque part. Pour en poser une au prochain tour et la mettre ici. Attendez un coup. Je dis que j'ai gagné. Depuis tout à l'heure, j'ai dit c'est bon, j'ai gagné. C'est pas vrai. J'ai pas posé le dernier océan. Je l'ai zappé. Vous l'avez vu en plus de Peter, vous dites mais il a pas vu. Il va perdre. Je l'avais pas vu, j'allais perdre. Mais je m'en suis rappelé maintenant. On va le poser pour 18. Je paye 20. Moins 2. On va poser le dernier océan. Moi, je l'avais vu, je faisais semblant. C'est pas vrai. Et c'est un mensonge. Cela est. Je pose là pour récupérer 4 minutes. Et d'ailleurs, un titane. Un titane. Et ainsi, je gagne mon dernier NT. Et là, j'ai vraiment fini la partie. J'ai vraiment gagné. Enfin, j'ai pas vraiment fini la partie. J'ai vraiment gagné. Bon, je vais faire parler des Zomartiens. Voilà. 24. Là, 24, c'est clairement pas ce chose sérieuse. Là, c'est le zoo martien 2.0. Et je vais payer une forêt pour 23. 25, il me revient d'eau. Paye ta forêt pour 23. Je la pose ici. Je récupère une plante. Parfait, pour me faire gagner une forêt le prochain tour. Et bah là, il n'y a plus de points, il n'y a plus de NT, il n'y a plus rien. Je max. Donc je gagne 4 méga crédits. 2 placements. Et là, il me reste 23. C'est tout pile pour une forêt. On va mettre la dernière forêt achetée au gold. Je vais la mettre là, d'ailleurs. Hop. Voilà, je récupère 2 plantes. Je récupère 2 méga crédits de placement.
Je les compte quand même, les méga crédits en fin de partie, en cas d'égalité. Pour départager. Et on a véritablement fini la partie. Je vais vendre 3 cartes. Pour gagner 5 méga crédits. J'ai plus besoin des cartes. Vérifions. Vénus s'est terraformée. La chaleur maximum. Les océans. Plus d'océans placés. Tout est placé. L'oxygène. L'oxygène au max. La partie est donc validée. Nous avons gagné. Yes. Le mieux, c'est quand même ça. Hein. Le plus fort, c'est ce truc-là. Vous voyez ça, là? Ça, c'est la carte du match, ça. Hein. La carte du match. On est fiers de cette petite zomartien, là. Hein. Ce zomartien, c'est cool. I am happy. Décompte des points. Enfin, il y a la prod. Ah, il y a la prod. Alors, je vais pas tout commencer à tout bouger. On s'en fout, il n'y a rien qui m'intéresse. Sauf ça. Ça m'intéresse. Je produis 6. Donc, j'ai le droit de placer une dernière forêt. J'ai l'équivalent 8. Je peux placer une dernière forêt. Et bien sûr, on va la mettre là. C'est l'endroit le plus. L'endroit idéal. Finalement, la cité ici, c'était pas terrible parce que j'aurais pu faire mieux en regroupant différemment. Et bon, c'est tant pis. Ça arrive. J'étais trop dans le fourri de mon zoo. Je vous ai déjà parlé de mon zoo martien en fait. Hein. Je suis lourd avec mon zoo martien, hein, je suis d'accord. Les points de victoire. Donc l'humanité, bien sûr, 63. Les cités. Celle-là vaut 1 point. Celle-là vaut 4 points, il y a 4 fois retour. Celle-là vaut 3 points, il y a 3 fois retour. Celle-là vaut 2 points, 2 fois retour. Ça veut dire que ça fait 1, 3, 4, hein, c'est ça. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, ça fait 10 points. 63, ça fait 73. Les forêts, j'en ai quand même posé un petit nombre pas ridicule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 forêts. 73 et 9, 82. Les forêts, c'est compté, il n'y a plus qu'à compter les points, c'est fini. Donc on a 1 point ici, 2, 3 pour les points de carte, 4, 5, 6, 7, 6, 7 dans les events, 7, 8, 9, 10, mais moins 1, 9, 9, et là-bas, on va compter tout comme ça, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et 17, et 17, 18, et 17 points. Ouh, je vais finir à 99, 82 et 17, 99. Bon, c'est pas un mauvais score, ça va. Et il manque ce petit point pour dire je suis à 100. J'ai passé, mais quel régal, ce zoo martien. Le zoo martien à 24 animaux, vous imaginez? Le zoo martien à 24 animaux, c'est le chat le plus miaou de France. Voilà. Donc, ben, les amis, vous voyez, on peut réussir à gagner qu'Aridor. Bon, je tiens, Aridor, franchement, c'est loin d'être la corpo la plus pourrie. Hein. Elle est quand même pas mal. Déjà, choisir une colonie, bah, clairement, en plus en première action de jeu, ce qui veut dire que, de toute façon, on a déjà un visu de ce sur quoi on va s'orienter, parce qu'on a 10 cartes en main. Ce qui est filou en multi, parce que là, on ne le voit pas en solo, mais en multi, ce qui est filou, c'est que on peut partir sur... on peut choisir ses cartes en fonction d'une colonie qu'on ne voit pas encore. Elle n'est pas encore là. On se la réserve, on se dit, ah, je vais partir là-dessus. Personne ne va partir là-dessus, personne ne va prendre ses cartes en fonction. Elle n'est pas encore sortie. C'est encore plus filou quand on est le dernier joueur, parce que je rappelle qu'on révèle les corpos chacun à son tour, et on conserve les cartes qu'on paye pour garder en main, chacun à son tour aussi. Ça veut dire que là-dessus, il y a moyen de faire des petits coups sympas. Enfin, jouer ça en dernier, c'est être le dernier joueur, c'est cool. Et puis, très versatile, hein, des badges, on en joue forcément. Très rapidement, on a un plus 2, plus 3, plus 4 de prod de méga crédit. C'est vraiment sympa. C'est la première fois que je l'ai joué. En solo, c'est super viable. En multi, ça me paraît super viable aussi. Et puis là, franchement, sur la partie, ça a déroulé. Je m'en suis bien sorti. J'ai fait peut-être les deux misplays qui n'étaient pas des gros misplays. Mais c'était pas préjudiciable pour la victoire, parce que la preuve, elle est gagnée.
Mon tirage de cartes était pas vilain. J'ai pas eu masse d'effets de tirage de cartes. Donc je me suis débrouillé avec ce que j'avais, mais vraiment, ça va. L'aléatoire m'a bien doté sur la partie. Clairement, je fais 99 points. Je peux faire plus. Je me répète là-dessus. Je peux faire plus. Vous avez compris mon délire du zoom martien. Voilà, je pouvais faire bien mieux en points. Je pense qu'en me focalisant pas sur le zoom martien, je pouvais facilement finir un petit 110, voire 115. Parce que tous ces animaux, alors bien sûr, il y en a une partie que je récupère, le grand convoi, qui me donne 4, 5 animaux grâce à. Non, 4 animaux, parce que le cinquième c'était l'effet de la carte du martien. Les 4 animaux, ça, vous imaginez bien que je la conserve en main. J'attends d'avoir les oiseaux, enfin la carte qui me donne un point par. C'était pas le poisson salé, non, c'était les oiseaux. Il y a moyen de charger. De toute façon, ces cartes-là, les cartes oiseaux, prédateurs, le grand convoi, c'est miam miam. Hein. C'est des cartes c'est des cartes à 6 points, 7 points. C'est quoi le grand convoi? Il y avait deux océans, je crois. Ouais, c'est des cartes qui donnent masse points en fin de partie. Non, je pouvais faire. Là, j'avais vraiment le potentiel pour faire un score plus qu'honorable. Et je vais triper. Je suis content. Parti. Ouais, je vais triper avec mon zoom martien. Je suis content. Et maintenant, on m'a demandé de faire des squats. Hein, parce que sur Twitch, on me demande de faire des squats. Donc, je vais les faire. Donc, je vais vous quitter là-dessus. Ça faisait longtemps que je n'ai pas publié une vidéo de Terraforming Mars sur YouTube. Si vous m'entendez dire ça en ce moment présent, c'est que je l'ai fait. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai cut dans tous les sens pour vous faire une vidéo quand même plus compacte. Et avec moins d'échanges, moins de conneries, moins de trucs comme ça. Bien sûr, j'échange avec le chat pendant ce temps-là. Et allons-y, c'est le moment des squats. Donc je vous dis à très bientôt, à très vite. Si ça vous a plu, n'oubliez pas dans les commentaires le challenge de Zoom Martien. Hein. Qui réussira à battre 24? C'est faisable, je vous fais confiance. Mais dites-le, et sans tricher, bien sûr. Hein. C'est facile. Oh, je fais 100 animaux. Ouais, et. Voilà, ça, c'est autre chose. Donc voilà, c'est parti pour les squats. À très bientôt, à très vite. Salut! Et on y va que gym matin! Et hop! Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10.